les gouvernements du monde entier nient officiellement l'existence des ovnis. J'ai été appelé pour enquêter sur un événement très étrange. Un lourd voile de secret a été jeté sur les rencontres, surtout sur celles où un appareil non identifié pourrait avoir compromis la sécurité du territoire. Rien dans mon entraînement ne m'avait préparé à ce que j'ai vu. Mais certaines affaires se sont révélées trop importantes et trop bien documentées pour rester secrètes. Comme celle connue sous le nom de Roswell anglais. J'ai vu une lumière vive émaner de l'objet sur le sol de la forêt. En 1980, les mêmes lumières mystérieuses ont été vues deux soirs de suite. Il se passe quelque chose de très étrange. Des membres de l'aviation américaine sont envoyés en Angleterre pour découvrir si le pays subit une attaque. On a regardé les choses autrement, avec de nouveaux témoins. On a rouvert toute l'affaire. Qu'est-ce qui a conduit des militaires bien entraînés et rationnels ? Je voulais aller là-bas et résoudre cette affaire une bonne fois pour toutes. À croire qu'ils ont été en contact avec un ovni. C'est pas possible ! L'équipe de UFO Magazine analyse les nouvelles preuves grâce à la technologie. Marque un point de cheminement ! Et atteignent des conclusions qui sèment le trouble. On peut dire avec certitude. Pour la première fois à la télévision, nous saurons réellement si l'armée américaine a été témoin de l'atterrissage d'un ovni à la base aérienne de Bentwaters en 1980. Voici l'affaire numéro 80101, militaire contre ovni. Nous avons plusieurs témoins qui ont vu un objet se poser dans un endroit appelé Rendlesham Forest. C'est pas génial, ça ? Bill et Pat reviennent de la conférence du National Press Club sur la dissimulation à Washington. L'un des cas d'observation s'est détaché des autres, car de nombreux militaires en ont été témoins. Le plus impressionnant dans cette conférence sur la dissimulation, c'est toutes ces preuves sur l'atterrissage à Rendlesham. L'observation d'OVNI la plus connue de Grande-Bretagne a eu lieu en 1980 et impliquait des membres de l'aviation américaine présents dans deux bases du Royaume-Uni. Cet OVNI a été vu deux soirs de suite. D'habitude, ça n'arrive jamais. C'était en 1980. Rappelez-vous, à l'époque, les Soviétiques avaient envahi l'Afghanistan. La situation était agitée en Europe de l'Est. Le monde était sur le fil du rasoir à cause des armes nucléaires. Et c'est là que cet objet apparaît, à Bentwaters, la base américaine la plus sécurisée. Ils ont dû donner une explication officielle. Les sceptiques ont dit qu'il y avait un phare au loin. On voyait sa lumière et que les soldats l'avaient pris pour un ovni. Je n'y crois pas, ça ne colle pas. Ce sont des militaires bien entraînés. Comment ils ont pu penser que c'était un phare ? C'est pas possible. Je suis d'accord, Jeff, mais c'est ce que disent les experts depuis 27 ans. Ça me paraît une théorie intéressante. On pourrait la modéliser, faire nos propres expériences. On prend les coordonnées GPS des lieux d'observation et du phare, des cartes topographiques, on peut faire un modèle pour voir si leur hypothèse tient la route. Ça va être énorme. Soit on prouve que ça aurait pu être le phare, soit on prouve que non. Dans tous les cas, ce sera une preuve phénoménale pour ou contre leur théorie. Il n'y a qu'à aller voir. Donc on va à Rendlesham ? Allez chercher vos passeports. Cool. L'équipe se rend à la base de Bentwaters, une base américaine située en Angleterre, à environ 135 km au nord-est de Londres, en bordure de la forêt de Rendlesham. Nick, parle-nous de ce célèbre incident qui a eu lieu à Rendlesham. Nick Pope a rejoint le ministère de la Défense en 1985. Entre 1991 et 1994, mon travail était d'enquêter sur les observations d'OVNI pour le gouvernement. Je cherchais des preuves de quelque chose qui aurait pu intéresser le département de la Défense. Le ministère de la Défense britannique a enquêté sur des cas d'OVNI depuis 1967. Mais des rencontres entre OVNI et militaires sur toute la planète remontent à des années auparavant. 1948, aux États-Unis, le capitaine Mantell de la garde nationale du Kentucky prend en chasse un ovni signalé. Quelques minutes plus tard,
il est tué dans le crash de son jet. 1956, Angleterre. Les opérateurs radars de la base de Lake Ennis repèrent plusieurs objets non identifiés volant jusqu'à 19 000 km/h. Avec le projet Blue Book, l'effort de recherche des États-Unis décrit cet événement comme l'un des meilleurs cas possibles de visualisation radar. Selon le projet Blue Book, l'objet a semé un jet d'interception Venom NF3. Des pilotes ont dit avoir vu des lumières brillantes qui semblaient contrôlées par une intelligence. Il y a eu une enquête à l'époque, mais après avoir interrogé les contrôleurs aériens, les pilotes, une fois les témoignages enregistrés, le dossier a été classé comme objet inconnu. 1989, en Belgique. La base aérienne de Bercé détecte de l'activité sur ses radars. 19 policiers ont aperçu l'appareil. Un des témoins l'enregistre en vidéo. 3 puissants projecteurs lumineux apparaissent sur l'objet triangulaire. Les témoins rapportent que l'objet n'émet pas de son, à part un léger bourdonnement. 2 heures et demie plus tard, il a disparu. 4 mois plus tard, il réapparaît. Le colonel Wilfred Brouwer de l'armée de l'air belge envoie 2 intercepteurs F-16. La station radar a été contactée plusieurs fois pour demander s'ils avaient des observations au radar. Quand les F-16 verrouillent l'appareil, ils se mettent à se déplacer de façon erratique avec une accélération de 46G, bien plus que ne peut supporter le corps humain. L'objet disparaît. Si on analysait tous ces cas de pilotes qui voient des ovnis, qui les suivent sur leur radar d'un bout à l'autre, on aurait des preuves irréfutables de la réalité du phénomène des ovnis. On a à la fois un observateur professionnel et fiable et les enregistrements des radars pour renforcer leur témoignage, ce qui donne des preuves incontestables. C'est facile d'assimiler les ovnis à un phénomène marginal. Mais une fois que les militaires entrent en jeu, ce n'est plus la même histoire. Pendant ces années passées au ministère de la Défense britannique, Nick Pope a enquêté sur 200 à 300 nouveaux rapports sur les ovnis par an, ce qui fait de lui l'investigateur le plus expérimenté du pays. L'une des plus importantes observations d'OVNI est l'incident de la forêt de Rendlesham, qui s'est déroulé juste ici. Sur l'échelle des cas d'OVNI, celui-ci se situe tout en haut en termes d'importance et de preuves. On a parfois appelé ce cas le Roswell anglais. 26 décembre 1980, minuit. La police militaire de la base de Woodbridge, située près de la base de Bentwaters, aperçoit une source lumineuse inconnue dans la forêt de Rendlesham. Il croit d'abord que c'est un appareil qui est tombé. Mais plus tard, il se rend compte que cela pourrait bien être quelque chose d'autre. Le sergent Peniston et 2 autres sous-officiers se rendent sur place. Quand nous sommes arrivés sur le site du crash, on a vite compris que ce n'était pas un avion ou un autre appareil qui s'était écrasé. J'ai vu de la lumière émaner d'un objet sur le sol de la forêt. Peniston et son équipe approchent de l'objet à pied et, en chemin, ils prennent des notes. Un appareil de forme triangulaire, d'environ 3 mètres de long et 2 mètres de haut, est apparu. Peniston déclare que des lumières bleues et jaunes balayaient la surface de l'appareil. On a commencé à avoir des problèmes avec la radio. L'air était chargé d'électricité. On le sentait sur nos vêtements, sur notre peau et nos cheveux. Peniston affirme que la surface de l'appareil portait des symboles de 7 cm de hauteur sur 80 cm de long. Le plus grand des symboles était un triangle au milieu d'un cercle. Peniston parvient à se rapprocher de l'objet et affirme qu'il l'a touché. Ça ressemblait à de l'onyx noir, mais je n'ai rien senti en le touchant. 45 minutes plus tard, l'objet manœuvre dans la forêt et s'envole. Il s'est soulevé du sol et a filé à une vitesse incroyable. Il a disparu en un clin d'œil. Plus de 80 membres de l'armée de l'air l'ont vu décoller. Ce n'était pas un hélicoptère ?
Ce n'était pas possible de poser un hélicoptère là-bas ou aucun autre appareil conventionnel. Le plus important, c'est que ce sont des gens qui travaillent sur une base aérienne et ils ont dit que ça ne ressemblait à rien de ce qu'ils connaissaient. J'ai l'impression d'être dans l'œil du cyclone des ovnis. Un sous-officier expérimenté des forces aériennes a rencontré quelque chose d'extraterrestre. Cet ovni était de forme triangulaire. Il mesurait environ 3 mètres de long et 2 mètres de haut. Jim Peniston a pu s'en approcher assez pour toucher le côté de l'appareil. Et il a vu des symboles étranges sur la coque. Peniston a retranscrit 6 des symboles incrustés sur l'appareil. La majorité d'entre eux sont composés de lignes droites et sont symétriques. Depuis des années, des gens ont essayé de déchiffrer cette inscription. Ils ont pensé que c'était des hiéroglyphes ou des pictogrammes. Il est clair qu'il y a un message que nous n'avons pas encore su déchiffrer. Certains témoins affirment que l'OVNI a laissé des preuves matérielles. Il y avait des marques dans le sol, à l'endroit où l'appareil s'était posé. On approche de la zone, on est à 8-10 mètres. C'est bizarre, c'est vraiment étrange. Qui examine les traces au sol? Dites-vous bien que c'était en plein milieu de l'hiver. Le sol était très dur. Les marques ont été laissées par quelque chose qui devait peser plusieurs tonnes. Il y avait 3 de ces marques. Des moulages en plâtre des marques ont été effectués. On a prétendu qu'en relevant leur position, elles formaient un triangle équilatéral. C'est comme si l'appareil s'était posé en s'appuyant sur un genre de train à 3 pieds. En 1980, aucun appareil connu ne comportait de train d'atterrissage qui formait un triangle équilatéral. La nuit suivante, 5 soldats menés par le colonel Charles Holt se rendent sur les lieux. Ils découvrent ce qu'ils pensent être des preuves irréfutables d'une activité anormale. L'appareil avait laissé des preuves physiques. Et ils sont témoins d'un événement alarmant. Il est revenu. Le 26 décembre 1980, minuit. 80 membres de l'armée de l'air affirment avoir vu un objet lumineux inconnu atterrir dans la forêt de Rendlesham, en Angleterre. Non seulement cet ovni a été vu par des militaires entraînés, qui sont des témoins fiables, mais il a laissé des preuves physiques. Il a laissé des traces au sol, là où il a atterri. La nuit suivante, une équipe d'officiers balaye la zone avec un compteur Geiger et détecte des traces anormales de radioactivité. Que disent les chiffres? Il y a quelque chose? 7 dixièmes, juste ici. 7 dixièmes au centre? C'est ça. En termes de preuves, le plus important, c'est qu'ils ont relevé des taux très élevés. Ils étaient très élevés dans les 3 trous qu'a fait l'appareil en se posant. Le ministère de la Défense a publié 38 pages de documents sur l'observation de Rendlesham. La plupart sont des correspondances avec les habitants de la zone, curieux de savoir ce qu'il s'était passé. Mais un des mémos de communication entre les départements contient une phrase inquiétante. Notre personnel de la défense et du renseignement a reconnu que les niveaux de radiation étaient, je cite, bien au-dessus de la normale. C'est on ne peut plus officiel. C'est écrit noir sur blanc dans un rapport du ministère de la Défense, écrit par leurs scientifiques et leurs spécialistes du renseignement. Contrairement à d'autres histoires d'OVNI, celle-ci peut être confirmée par l'analyse de documents fiables qui mentionnent exactement ce dont nous parlons. Nick Pope nous a parlé de documents dont nous ne connaissions même pas l'existence, ce qui rend la théorie encore plus valide à mes yeux. Ça fait vraiment passer l'enquête à un autre niveau. Des experts pensent que certaines bases militaires ont une longue histoire secrète de rencontres avec des ovnis. Il y a des centaines de cas de rencontres entre des appareils militaires et des ovnis. L'équipe tente de trouver une explication à ces dérangeantes observations.
Je cherche dans les archives et j'ai découvert qu'il y a un fort lien entre les militaires et les observations d'OVNI. En juillet 1945, on a testé notre première bombe atomique. 2 ans plus tard, au mois de juillet aussi, il y avait le crash de Roswell. Il a eu lieu à quoi, 150 km d'Alamogordo ? Depuis 1947, il existe une corrélation entre les possibles observations d'OVNI et le test, la fabrication et le stockage d'armes nucléaires. Est-ce une simple coïncidence que Roswell soit situé à tout juste 150 km de Trinity, au Nouveau-Mexique, où a explosé la toute première bombe atomique au monde ? Il y a aussi ce cas à Pascal, dans l'état de Washington, en 1945. Un ovni est apparu sur le radar d'une base aéronavale. Il survolait Hanford Engineering, un important fabricant de plutonium. Exactement. Et plus tard, Hanford est devenue une centrale nucléaire. L'industrie du nucléaire est restée à cet endroit pendant plus de 60 ans. En 1945, le laboratoire international Oak Ridge, dans le Tennessee, observe à plusieurs reprises des ovnis. Nous savons aujourd'hui que ce laboratoire était une usine de bombes nucléaires top secrète. En 1965, la base aérienne d'Edwards, en Californie, repère 12 ovnis lumineux sur son radar. Ici la tour d'Edwards. On a un objet. On a la confirmation d'objets volants non identifiés dans votre zone. Des soucoupes volantes ? On a la confirmation sur le radar. Des intercepteurs F-106 ont un contact visuel. J'ai une autre lumière rouge qui se déplace très vite. Il y a des lumières blanches et vertes qui clignotent. C'est sûrement pas un avion. Le F-106 transportait des missiles nucléaires parmi son armement. Est-il possible que la technologie nucléaire ait déclenché la visite d'un ovni ? S'il y a un lien entre les ovnis et le nucléaire, qu'est-ce que tu crois qu'il est en train de se passer ? Ils espionnent notre technologie, ça les intéresse ? Ou peut-être qu'ils essaient d'empêcher le nucléaire ? Je pense qu'ils nous surveillent, qu'ils nous espionnent. Mais le plus important, c'est qu'à chaque cas d'ovni qui entre dans l'espace aérien au-dessus de bâtiments qui abritent du nucléaire et qui sont des installations militaires à haut risque, ils ne prennent même pas la peine de se cacher. Ils entrent dans notre espace aérien en toute impunité, survolent les sites nucléaires. Ils se fichent de savoir si on va les voir ou pas. Le colonel Holt était commandant adjoint de la base lors de l'incident de Rendlesham. Il refuse d'infirmer ou de confirmer la présence d'armes nucléaires sur la base. Imaginez que c'était lui qui avait le doigt sur le bouton rouge du nucléaire, même s'il ne peut pas le dire, parce qu'on n'a pas le droit de parler des armes nucléaires américaines présentes sur le sol britannique. Une composante clé de la sécurité de la base, c'est cette tour de guet située au nord de l'allée. Elle donne sur toute la zone et le site de la forêt de Rendlesham. L'équipe rencontre Gary Hazeltin, un ancien policier militaire de l'armée de l'air, spécialisé dans la sécurité des sites nucléaires. J'ai longtemps été fasciné par le cas de la forêt de Rendlesham. Entre 1983 et 1989, j'ai servi dans la Royal Air Force comme officier de police sur 2 sites nucléaires. Et il y avait toujours une haute tour. Ce qu'il y a d'important avec ces tours, c'est qu'elles sont au-dessus de la cime des arbres et qu'elles donnent une vue à 360 degrés. Colonel, quelle vue! C'est incroyable! On voit tout d'ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que les arbres sont beaucoup plus hauts maintenant. D'ici, on avait un panorama à 360 degrés. On ne laissait jamais les arbres monter aussi haut pour des raisons de sécurité. L'opérateur de la tour avait une vue imprenable sur des kilomètres à la ronde. S'il y avait quelqu'un ici, il aurait pu voir tout ce qui s'est passé dans cette zone cette nuit-là. Les 2 nuits même. Il y avait quelqu'un ici ce soir-là ? Dans ce genre de tour, il y avait des hommes 24 heures sur 24, 365 jours par an. Colonel, j'imagine qu'il y avait quelqu'un. Est-ce que vous savez qui était là ce soir-là ? Oui, en fait, je connais très bien celui qui était là. En novembre 2007, le colonel Holt reçoit un email de la part de l'un des gardes qui était en poste cette nuit de 1980. Nous avons correspondu et il m'a confirmé qu'il était dans la tour et qu'il a vu des rayons lumineux balayer la zone de stockage des armes, au même moment que celui que nous avons vu au-dessus de nous, dans le champ. Vous êtes en train de nous dire qu'il y avait un homme ici qui a vu l'incident et des rayons balayer la zone.
C'est un nouveau témoin pour toute l'affaire. Il ne veut pas se manifester. S'il y avait quelqu'un ici qui a vu toute la scène, avec les lumières et ce qui s'est passé au sol dans la forêt, alors... On parle d'un véritable objet qui dirigeait des rayons lumineux sur un lieu particulier, une zone top secrète et sécurisée. On a un nouveau témoin, ça nous donne une nouvelle vision de toute l'affaire. Il existe une autre preuve qui vient corroborer la théorie du présumé OVNI. La nuit suivante, le 26 décembre 1980, le colonel Charles Holt a enregistré sa rencontre sur une cassette. La bande permet de recréer son expérience minute par minute et constitue un document irréfutable dans l'histoire des ovnis. C'est de la folie! Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, monsieur. L'équipe retrace le parcours suivi par le colonel Holt cette nuit-là. Voici le fameux portail est de Woodbridge. C'est là que tout a commencé. Le colonel Holt est arrivé sur les lieux avec 5 autres hommes après avoir été informé par la police militaire que la mystérieuse lumière avait été aperçue une seconde fois. Les policiers n'arrêtaient pas de dire qu'il était revenu. Quand vous avez entendu ce que vous ont dit ces hommes, qu'est-ce que vous en avez conclu? À quoi vous avez pensé? Je me disais qu'il y avait une explication rationnelle à tout ça. Pour dire les choses clairement, je n'y croyais pas. Que s'est-il passé quand vous êtes allé sur le terrain? Il fallait bien que quelqu'un y aille pour tirer les choses au clair et faire cesser toute cette histoire. J'avais l'intention d'en finir avec tout ça pour qu'on passe à autre chose. C'était vraiment ce que je voulais faire, ce que je pensais faire. En arrivant là-bas, je me suis demandé pourquoi je m'étais mêlé à tout ça. J'aurais dû laisser quelqu'un d'autre s'en occuper, parce que personne ne vous croit. J'ai rassemblé une petite équipe de 5 hommes et on est parti dans la forêt. J'ai vu une lumière. Où ça? La revoilà. C'est une lumière rouge bizarre. Il arrive sur le côté, il vient vers nous. Le colonel Charles Holt, un soldat américain stationné en Grande-Bretagne en 1980, raconte la nuit où il a poursuivi ce qu'il pense être un OVNI. Est-ce que vous avez enregistré ou noté quoi que ce soit cette nuit-là? Oui, j'avais un petit... dictaphone avec moi. Je l'allumais dès qu'il se passait quelque chose. J'ai tout enregistré sur la cassette. C'est une lumière rouge bizarre. Il se passe quelque chose d'étrange. Elle vient de bouger vers la droite. Très étrange. Le colonel Holt raconte qu'il a mené un groupe de 5 soldats. Ils sont partis de la porte est de la base de Bentwaters, puis ont repéré l'objet lumineux dans la forêt de Rendlesham et l'ont suivi en direction de l'est. Lorsqu'ils ont atteint une ferme dans une clairière, l'objet a décollé. On avançait dans cette direction, comme l'objet que je voyais bouger à travers les arbres. On le voit en ce moment. On doit être à 200-300 mètres. On dirait un œil qui cligne. Il se déplace sans arrêt. On dirait que le centre est creux et sombre. On dirait la pupille d'un œil qui vous regarde. La lumière est si forte qu'elle brûle presque les yeux. Le colonel raconte que la lumière a passé un ruisseau pour atteindre un champ tout proche. On vient de traverser le ruisseau. Il y a des flashs de lumière bizarres, comme un stroboscope. Ce n'est pas continu, mais il y a quelque chose, c'est sûr. Un genre de phénomène. On est sorti de la forêt juste ici, et on lui a encore couru après sur une centaine de mètres. Il est sorti au milieu du champ. Dans ce champ se trouvait une ferme, du bétail, et à ce moment précis, un objet lumineux qui se déplaçait. On entend du bruit qui vient des granges de la ferme. Les animaux sont très agités et font beaucoup de bruit. Il arrive par le sud. Il vient vers nous. Nous, on regardait de ce côté. Là, il y a la ferme. L'objet était là-bas, dans le champ. Le phare est par là, à environ 30 degrés. J'aperçois ce qui a l'air d'être un rayon lumineux dirigé vers le sol. C'était pas possible. Quand vous êtes arrivé dans le champ, il était déjà parti? L'objet a explosé sans bruit en 5 autres lumières blanches, et elles ont disparu. Ça n'aurait pas pu être une fusée de détresse? Les fusées de détresse ne se déplacent pas dans la forêt en évitant les arbres de bas en haut. À un moment, il est venu vers nous et quand on s'est approché, il est parti vers le champ. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? C'était un objet de forme ovale, rouge-orangé et lumineux, comme le soleil en pleine journée.
Le centre était noir et on aurait dit un œil qui clignait. Il y avait comme du métal en fusion qui coulait. Du métal en fusion? C'est ce à quoi ça m'a fait penser. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui coulait. Donc on oublie l'hélicoptère? Non, c'était pas un hélicoptère. Le colonel Holt est le témoin le plus crédible à qui j'ai eu la chance de parler. Il a dirigé toute une base militaire qui abritait des armes top secrètes dont il n'a pas le droit de me parler. Et je ne pense pas qu'il ait fait des erreurs cette nuit-là. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dont les gens n'étaient pas censés entendre parler. Les deux bases situées en bordure de la forêt sont parmi les plus sécurisées du monde. Des barrières infranchissables entourent la base. Il y a des barbelés, des détecteurs de mouvement, des capteurs et plus de 25 hommes lourdement armés pour garder les lieux. C'est un des lieux qui a la meilleure sécurité au monde. Ce truc est sorti du ciel. Il a atterri ici, non pas une, mais deux fois en 24 heures, sans déclencher aucune alarme. La seule chose qui l'ait repéré, c'est l'œil humain, quand les gardes sont sortis pour le voir. Ce qui est étrange, c'est qu'il était très lumineux et qu'il a dirigé un rayon vers le sol, comme s'il ne se préoccupait pas d'être vu ou non. C'était comme s'il ne s'inquiétait pas du tout de savoir comment on allait se défendre contre lui. Rien de ce que nous avions ne lui a fait peur. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus. La base de Bentwaters a très sûrement abrité des armes nucléaires dans les années 80. Lorsque le climat mondial était tendu. Rappelez-vous de la situation mondiale dans 1980. Certains historiens ont appelé cette période la Deuxième Guerre froide, une guerre froide qui menaçait de se transformer en véritable guerre. Les deux adversaires s'observaient, chacun de son côté du rideau de fer. Ronald Reagan venait d'être élu président et formulait toutes sortes de menaces contre l'empire du mal de l'Union soviétique. Les deux camps faisaient toutes sortes de menaces militaires. On n'était pas très rassurés. Je ne dis pas que les aliens nous espionnaient vraiment. Mais si c'était le cas, ils auraient pu penser qu'on était prêt à appuyer sur le bouton rouge. Et voilà qu'un ovni survolant une base qui abrite des armes nucléaires envoie des rayons sur les armes, sûrement pour les scanner. Ça a interféré avec les opérations de la base, avec leur radio. Ils ont envoyé une équipe de sécurité, mais l'OVNI les a conduits hors de la base. Les Américains ont eu peur, ils ont classé l'affaire, ils n'ont rien fait du tout et ont surtout évité d'en parler. Les États-Unis n'ont pas enquêté sur les ovnis depuis la fin du projet Blue Book en janvier 1970. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne le fait, car les objets non identifiés peuvent représenter une menace pour la sécurité du territoire. Curieusement, le colonel Holt, de nationalité américaine, n'a jamais été interrogé ni débriefé par les autorités britanniques. Rien de tel ne s'était jamais produit auparavant. Toutes les autres observations d'OVNI n'étaient que des lumières dans le ciel. Les Américains espéraient que les Britanniques s'en occuperaient. Et les Britanniques pensaient que c'était un problème américain. Et qu'avec un peu de chance, personne n'en parlerait. Et tout serait oublié. Les autorités britanniques et américaines conseillent au colonel Holt d'envoyer un mémo au ministère de la Défense britannique à propos de ce qui s'est passé dans la forêt. Mais deux jours avant que le colonel ne fasse partir son mémo, un autre événement inexplicable se produit. Un événement qui laisse Vincent Surkettle, forestier et habitant de la zone, perplexe et troublé. J'habitais dans un cottage, juste là. J'étais sorti couper du bois. Surkettle vivait et travaillait dans la forêt de Rendlesham au moment des faits. Entre Noël et le Nouvel An, une voiture est venue. Deux jeunes hommes anglais en costume en sont sortis. Ils devaient avoir 25 ans. Ils sont venus me parler et ils m'ont dit « Nous avons entendu dire qu'on avait vu des lumières rouges dans la forêt ». Qui étaient ces hommes mystérieux et comment avaient-ils entendu parler de l'OVNI avant même que le colonel Holt n'envoie son mémo? J'ai bien l'impression que Vincent a reçu une visite. L'équipe découvre des réponses inquiétantes. Quelques jours après l'incident de l'OVNI, deux hommes étranges viennent interroger les résidents de la forêt de Rendlesham. Personne ne sait qui ils sont ni ce qu'ils cherchent. Une voiture est venue, deux jeunes hommes anglais en costume en sont sortis. Ils devaient avoir 25 ans. Ils sont venus me parler et ils m'ont dit « Nous avons entendu dire qu'on avait vu des lumières rouges dans la forêt. Étiez-vous dehors hier soir ?» J'ai dit non. Ils m'ont demandé si j'avais vu quelque chose, si je connaissais quelqu'un qui avait vu quelque chose. J'ai dit non. Ils ont stoppé net la conversation et ils sont partis.
Et je trouve ça génial, cette nouvelle info sur Vincent Surkettle qui reçoit la visite d'un genre de Men in Black. Il a dit que deux Anglais en costume noir, dans une voiture noire, étaient venus le voir. Ça fait très cliché, mais j'ai bien l'impression qu'il a reçu la visite de Men in Black. Les chercheurs d'OVNI parlent de la rencontre de Vincent Surkettle comme un scénario classique de Men in Black. Après une observation d'OVNI, il n'est pas rare que deux hommes rendent visite aux témoins pour leur poser des questions sur ce qu'ils ont vu. Deux jeunes Anglais m'ont posé des questions et j'ai découvert plus tard qu'ils avaient interrogé tous les habitants de la zone pour savoir si on était dehors ce soir-là et si nous avions vu quelque chose. Vous pensez que c'était des journalistes, des militaires? Si c'était des journalistes, ils n'ont jamais publié leur histoire. Ce qui m'étonne le plus, c'est que le colonel Holt n'avait pas encore envoyé sa lettre. Cette lettre qui devait tout révéler aux Britanniques, il ne l'avait pas encore écrite. On enquête sur ce cas depuis des décennies et c'est la première fois que j'entends parler de ces Men in Black. C'est une énorme pièce du puzzle, cette histoire. Il faut que j'aille en parler au colonel Holt. Il pourra peut-être m'en dire un peu plus. Vincent m'a dit qu'il avait reçu la visite de deux jeunes hommes en costume noir qui lui avaient posé des questions sur l'incident. Comment aurait-il pu être au courant, puisque votre mémo n'avait pas encore été envoyé? Je ne sais pas qui c'était. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait en douce. Je sais que les gars de l'Air Force ont été interrogés dans des circonstances très mystérieuses par des gens qu'ils ne connaissaient pas. Certains d'entre eux étaient britanniques. Vincent Surkettle travaille pour les services forestiers et connaît très bien la forêt de Rendlesham. Il pense que ce qu'a vu le colonel Holt n'était pas un ovni. Cet homme connaît la forêt comme sa poche et il m'a fait comprendre qu'il n'a rien trouvé d'inhabituel dans la zone où l'ovni aurait atterri. Il est convaincu que c'était le phare. À 10 km du lieu de l'observation se trouve le phare d'Orford Ness. Les sceptiques affirment que c'est son rayon lumineux d'une puissance de 3000 watts que les soldats ont pris pour un ovni. On dirait un œil qui vous regarde, qui cligne. La lumière est si forte qu'elle vous brûle presque les yeux. Si on croit que ce n'est pas le phare qu'ils ont vu, on croit qu'ils ont vu un ovni dont la lumière flashait au même rythme que celle du phare. Pourtant, sur la cassette du colonel, on n'en entend pas parler du tout. Vincent a dit également que l'intervalle entre chaque flash du phare est de 5 secondes, ce qui semble coïncider avec les enregistrements que vous avez faits sur la cassette. Ce ne serait qu'une coïncidence? Je vais vous montrer quelque chose. J'ai le dictaphone avec moi. Il est tout petit. Les cassettes durent 20 minutes. Et je n'aurais jamais pu enregistrer tout ce qui s'est passé. J'ai dû l'arrêter une centaine de fois. C'est très facile. Il y a juste à pousser ce bouton. J'ai fait ça tout le temps parce que je voulais avoir assez de bandes. Le voilà. Je le vois aussi. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, monsieur. C'est une étrange petite lumière rouge. Elle est environ à 500 mètres, peut-être un peu plus loin. 6 semaines plus tard, Vincent Surkettle inspecte les marques laissées au sol par le supposé ovni. On va dans les bois, je suis un peu nerveux, mon cœur bat vite. On arrive à un endroit où il y avait un cercle formé de bouts de bois par-dessus des fougères dans une clairière. Il y avait ces tas de terre marron comme ceux qu'il y a là. Il me dit, c'est là. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que c'était un lapin qui avait creusé. Vincent a aussi un argument pour les marques dans le sol. Il dit que ce sont des trous faits par des lapins. Un ou deux jours après l'incident, je suis sûr qu'un des membres de la police militaire est allé là-bas et a créé un ou deux faux sites. Ils ont mis des bouts de bois par terre tout autour. Pourquoi faire une chose pareille? Pour créer une fausse piste, peut-être. Peut-être que Vincent n'a pas vu le bon endroit. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a dit qu'il y était allé 6 semaines plus tard. Pourquoi la théorie de quelqu'un comme Vincent, qui n'était pas présent le jour même, inspire autant de confiance? Ce n'est pas rare que les programmes noirs, comme je les appelle, utilisent la désinformation. C'est un outil très efficace et une très bonne manière de discréditer un récit. Plusieurs jours avant que le rapport sur Bentwaters ne parvienne à l'armée de l'air américaine, les services secrets britanniques débarquent et interrogent les gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Le gouvernement britannique devait savoir d'une façon ou d'une autre ce qui se passait et ce qu'il devait faire pour camoufler toute cette histoire. Au début, je me suis dit que c'était peut-être le phare, mais maintenant, je commence à croire que le colonel a vécu une expérience énorme.
Des témoignages en désaccord émis par des témoins très fiables ont gardé le débat actif autour de la théorie du phare depuis plus de 27 ans. Mais les témoignages peuvent-ils résister à l'examen scientifique des preuves ? Je cherche à obtenir plus de détails sur sa position précise, celle de l'OVNI, où il a atterri, ainsi que la position et l'orientation de la ferme. L'explication acceptée par tous est que le phare a émis un rayon lumineux qui s'est reflété sur la ferme et a créé la mystérieuse lumière qu'ont vue les officiers. L'équipe décide de mettre cette théorie à l'épreuve. On va essayer d'avoir les meilleures coordonnées possibles. Je sais que c'était il y a 27 ans, mais on va faire de notre mieux. Jeff et moi, on va rester ici avec le GPS, et j'aimerais que vous retourniez là où vous étiez cette nuit-là. Puis, on ajustera nos positions en se basant sur les lignes qu'on aura depuis le site. En utilisant les coordonnées GPS des repères spatiaux, l'équipe va reconstituer un modèle en trois dimensions de l'incident. Ils étaient par ici ? Un peu plus à droite. Ted, décalez-vous un peu. Avancez encore. C'est bon. C'est bon. C'est le mieux que je puisse faire. Marquez un point de cheminement. Ted note les coordonnées GPS de l'endroit où le colonel a vu atterrir l'OVNI. C'est bon. Le colonel Holt indique la direction du phare. Là, il y a un creux dans la ligne de cime des arbres. Il y avait environ 30 degrés entre l'endroit où j'ai vu l'objet et la position du phare. C'est ce dont je me souviens. Si Jeff représente la source de lumière, c'est bon comme ça ? Ouais. Marque un point de cheminement. Ted, reviens par ici. On va brancher le GPS sur la caméra et on va filmer depuis ce point de cheminement. L'objet, qui a été vu par plus de 80 membres de l'armée de l'air et par le commandant adjoint de la base, était-il un simple rayon de lumière, un ovni ou quelque chose d'autre ? Est-il possible que ce soit le rayon du phare que les hommes ont vu dans la forêt ? La science nous donnera peut-être la réponse. Mais un nouveau témoin expert, jamais interrogé auparavant, se manifeste. Le phare... John Tyndall, créateur d'expérience, a construit un modèle de la forêt de Rendlesham pour comprendre ce qu'ont pu voir les militaires. Était-ce un ovni ou un simple rayon de lumière ? Rappelez-vous, on est allé dans la forêt de Rendlesham et on a pris des photos et les coordonnées GPS. Voici la vue depuis l'endroit où se tenait le colonel Holt cette nuit-là. Avec tous ces éléments, on a pu recréer à échelle réduite tout ce qui s'est passé. On essaie d'infirmer ou de confirmer deux hypothèses. Numéro 1, est-ce qu'un phare à 10 km de distance peut avoir un effet sur la façade de la ferme ? Numéro 2, est-ce qu'un ovni peut avoir un effet sur la façade du même bâtiment ? Le colonel a dit qu'il avait vu des reflets qui venaient des fenêtres. Donc, dans la maquette, on a mis des miroirs de dentiste pour qu'on puisse avoir des reflets. Personne n'a jamais déterminé géométriquement les angles de vue précis entre le phare, la ferme, la clairière et la forêt. Où était l'angle de vue du colonel ? Juste là. Il se tenait là. On a mis en place cette ligne de vision pour avoir l'angle exact vers le phare ou les fenêtres de la maison. Je le vois. Jeff, apporte la baguette magique OVNI. On va pouvoir faire les approximations. Jeff a mis la lumière là où le colonel a dit qu'il avait vu atterrir l'OVNI. Je vois le reflet dans la fenêtre depuis ce point de vue. Par contre, la lumière du phare est complètement séparée. Elle ne se reflète pas dans la fenêtre. Le phare ne se reflète pas du tout depuis cette ligne de vision. On voit la lumière directement, mais pas sans reflet. Je ne comprends même pas ce que vient faire le phare là-dedans. Bien vu. Le phare est presque au-dessus de l'horizon. Et ça me paraît bizarre que des soldats expérimentés s'affolent à cause d'un phare à des kilomètres de là. Alors voilà, c'est une étrange lumière rouge. Il y a quelque chose, c'est sûr, un genre de phénomène.
La deuxième expérience va nous permettre de déterminer où aurait dû être la source lumineuse pour qu'elle se reflète dans les fenêtres et que le colonel la voie. Dans la fenêtre, je vois un reflet de ce qui est censé être l'OVNI. Donc une lumière vive générée par l'OVNI à cette position donnerait l'impression que la maison était en feu derrière la fenêtre. On dirait la pupille d'un œil qui vous regarde. La lumière est si forte qu'elle fait mal aux yeux. On peut dire sans se tromper que s'il y a une lumière vive à la position que nous a indiqué le colonel Holt, l'angle de réflexion sur les fenêtres de la maison est optimal et on obtient un reflet très lumineux depuis le point d'observation. Je crois qu'on vient d'exclure l'hypothèse que le phare d'Orford Ness puisse être la source lumineuse que Charles Holt a vue cette nuit-là. Un ovni ou pas un ovni, qui sait ce que c'était ? Il reste une personne qui pourrait apporter une réponse définitive à la question de l'OVNI. Keith Simon est le gardien du phare d'Orford Ness. Est-il possible que ce soit cette lumière que les soldats ont vue dans la forêt la nuit du 26 décembre 1980 ? Si on regarde le phare, on voit qu'il y a une grosse pièce de métal à l'arrière qui pointe dans la direction de Rendlesham, qui est là-bas. Même si l'intensité de la lumière était plus forte en 1980 que maintenant, on n'aurait pas pu voir le faisceau directement à travers les arbres. Tout ce qu'on aurait pu voir par une nuit claire, c'est la lumière qui balaye le ciel toutes les 5 secondes. Donc vous dites que ce cache, cette pièce de métal qui bloque la lumière, était déjà là en 1980 ? Elle a toujours été là. Donc il n'y a jamais eu aucun moment dans l'histoire du phare où la lumière aurait pu traverser directement la forêt. Non. Je crois qu'on a découvert une nouvelle pièce du puzzle. Selon Keith Simon, le gardien du phare, il y avait une grosse pièce de métal sur l'arrière du phare pour qu'il n'éclaire pas vers la terre, mais vers la mer. C'est une nouvelle information très précieuse dont personne ne s'était jamais préoccupé. Heureusement qu'on est venu la chercher nous-mêmes. On a interrogé Charles Holt et on a pu confirmer tout ce qu'il avait dit. On est monté dans la tour, un nouvel élément, depuis laquelle un témoin que nous avons découvert a vu tout l'incident se dérouler. On a interrogé d'autres témoins et les histoires de chacun d'entre eux sont crédibles. Tous ces témoins oculaires racontent la même histoire depuis plus de 30 ans. Et on a démonté la théorie du phare. D'accord, mais ce n'est pas parce qu'on a infirmé la théorie du phare qu'on a prouvé l'existence des ovnis. Il peut y avoir d'autres explications. On sait qu'il y a deux bases aériennes top secrètes dans cette zone. Ça aurait très bien pu être un appareil militaire secret, un drone ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas me précipiter sur la conclusion que c'était des véhicules extraterrestres. C'est vrai, ça pourrait très bien être une sorte de drone, mais pas un des nôtres. Ça expliquerait toute la désinformation qu'il y a eu et le déni du gouvernement sur le fait que quoi que ce soit ait existé. Je te dirai sans hésiter que je suis d'accord. Mais il y a quand même une chose qui me chiffonne. Les drones, du moins ceux que je connais, ne flottent pas dans l'air au-dessus des champs et ne se séparent pas en 5 lumières blanches. C'est ça qui me dérange. Ça pourrait être un drone top secret. Je trouve qu'on a fait un super boulot sur cette affaire. On l'a bien bouclé. On a envoyé balader les sceptiques en démontant toutes leurs théories. Vous savez quoi ? On a démystifié les démystificateurs. L'affaire de la forêt de Rendlesham diffère des autres cas par le nombre très important de témoins. Plus de 80 hommes l'ont vu décoller. Leur niveau de compétence. Le commandant adjoint de la base m'a dit qu'il avait vu un ovni. Et les preuves matérielles trouvées sur le terrain. Il y avait de la radioactivité. Mais comme pour toutes les affaires d'ovni, il existe peut-être une explication rationnelle pour ce qui s'est passé lors de ces deux nuits de 1980. Les soldats ont-ils vraiment vu un ovni ? Est-il possible que les bases abritant des armes nucléaires soient surveillées par quelque chose qui n'appartient pas à notre monde ? Je suis convaincu que nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Les raisons de la présence persistante d'ovnis, à cet endroit comme ailleurs, sont aussi mystérieuses que les ovnis eux-mêmes. Il se passe quelque chose de très étrange.
les gouvernements du monde entier nient officiellement l'existence des ovnis. J'ai été appelé pour enquêter sur un événement très étrange. Un lourd voile de secret a été jeté sur les rencontres, surtout sur celles où un appareil non identifié pourrait avoir compromis la sécurité du territoire. Rien dans mon entraînement ne m'avait préparé à ce que j'ai vu. Mais certaines affaires se sont révélées trop importantes et trop bien documentées pour rester secrètes. Comme celle connue sous le nom de Roswell Anglais. J'ai vu une lumière vive émaner de l'objet sur le sol de la forêt. En 1980, les mêmes lumières mystérieuses ont été vues deux soirs de suite. Il se passe quelque chose de très étrange. Des membres de l'aviation américaine sont envoyés en Angleterre pour découvrir si le pays subit une attaque. On a regardé les choses autrement, avec de nouveaux témoins. On a rouvert toute l'affaire. Qu'est-ce qui a conduit des militaires bien entraînés et rationnels? Je voulais aller là-bas et résoudre cette affaire une bonne fois pour toutes. À croire qu'ils ont été en contact avec un ovni. C'est pas possible! L'équipe de UFO Magazine analyse les nouvelles preuves grâce à la technologie. Marque un point de cheminement! Et atteignent des conclusions qui sèment le trouble. On peut dire avec certitude. Pour la première fois à la télévision, nous saurons réellement si l'armée américaine a été témoin de l'atterrissage d'un ovni à la base aérienne de Bentwaters en 1980. Voici l'affaire numéro 80101, militaire contre ovni. Nous avons plusieurs témoins qui ont vu un objet se poser dans un endroit appelé Rendlesham Forest. C'est pas génial, ça? Bill et Pat reviennent de la conférence du National Press Club sur la dissimulation à Washington. L'un des cas d'observation s'est détaché des autres, car de nombreux militaires en ont été témoins. Le plus impressionnant dans cette conférence sur la dissimulation, c'est toutes ces preuves sur l'atterrissage à Rendlesham. L'observation d'OVNI la plus connue de Grande-Bretagne a eu lieu en 1980 et impliquait des membres de l'aviation américaine présents dans deux bases du Royaume-Uni. Cet OVNI a été vu deux soirs de suite. D'habitude, ça n'arrive jamais. C'était en 1980. Rappelez-vous, à l'époque, les Soviétiques avaient envahi l'Afghanistan. La situation était agitée en Europe de l'Est. Le monde était sur le fil du rasoir à cause des armes nucléaires. Et c'est là que cet objet apparaît, à Bentwaters, la base américaine la plus sécurisée. Ils ont dû donner une explication officielle. Les sceptiques ont dit qu'il y avait un phare au loin. On voyait sa lumière et que les soldats l'avaient pris pour un ovni. Je n'y crois pas, ça ne colle pas. Ce sont des militaires bien entraînés. Comment ils ont pu penser que c'était un phare? C'est pas possible. Je suis d'accord, Jeff, mais c'est ce que disent les experts depuis 27 ans. Ça me paraît une théorie intéressante. On pourrait la modéliser et faire nos propres expériences. On prend les coordonnées GPS des lieux d'observation et du phare, des cartes topographiques. On peut faire un modèle pour voir si leur hypothèse tient la route. Ça va être énorme. Soit on prouve que ça aurait pu être le phare, soit on prouve que non. Dans tous les cas, ce sera une preuve phénoménale pour ou contre leur théorie. Il n'y a qu'à aller voir. Donc on va à Rendlesham? Allez chercher vos passeports. Cool. L'équipe se rend à la base de Bentwaters, une base américaine située en Angleterre, à environ 135 km au nord-est de Londres, en bordure de la forêt de Rendlesham. Nick, parle-nous de ce célèbre incident qui a eu lieu à Rendlesham. Nick Pope a rejoint le ministère de la Défense en 1985. Entre 1991 et 1994, mon travail était d'enquêter sur les observations d'OVNI pour le gouvernement. Je cherchais des preuves de quelque chose qui aurait pu intéresser le département de la Défense. Le ministère de la Défense britannique a enquêté sur des cas d'OVNI depuis 1967. Mais des rencontres entre OVNI et militaires sur toute la planète remontent à des années auparavant. 1948, aux États-Unis. Le capitaine Mantell de la garde nationale du Kentucky prend en chasse un ovni signalé. Quelques minutes plus tard,
il est tué dans le crash de son jet. 1956, Angleterre. Les opérateurs radars de la base de Lake Ennis repèrent plusieurs objets non identifiés volant jusqu'à 19 000 km/h. Avec le projet Blue Book, l'effort de recherche des États-Unis décrit cet événement comme l'un des meilleurs cas possibles de visualisation radar. Selon le projet Blue Book, l'objet a semé un jet d'interception Venom NF3. Des pilotes ont dit avoir vu des lumières brillantes qui semblaient contrôlées par une intelligence. Il y a eu une enquête à l'époque, mais après avoir interrogé les contrôleurs aériens, les pilotes, une fois les témoignages enregistrés, le dossier a été classé comme objet inconnu. 1989, en Belgique. La base aérienne de Bercé détecte de l'activité sur ses radars. 19 policiers ont aperçu l'appareil. Un des témoins l'enregistre en vidéo. 3 puissants projecteurs lumineux apparaissent sur l'objet triangulaire. Les témoins rapportent que l'objet n'émet pas de son, à part un léger bourdonnement. 2 heures et demie plus tard, il a disparu. 4 mois plus tard, il réapparaît. Le colonel Wilfred Brouwer, de l'armée de l'air belge, envoie 2 intercepteurs F-16. La station radar a été contactée plusieurs fois pour demander s'ils avaient des observations au radar. Quand les F-16 verrouillent l'appareil, ils se mettent à se déplacer de façon erratique avec une accélération de 46G, bien plus que ne peut supporter le corps humain. L'objet disparaît. Si on analysait tous ces cas de pilotes qui voient des ovnis, qui les suivent sur leur radar d'un bout à l'autre, on aurait des preuves irréfutables de la réalité du phénomène des ovnis. On a à la fois un observateur professionnel et fiable et les enregistrements des radars pour renforcer leurs témoignages, ce qui donne des preuves incontestables. C'est facile d'assimiler les ovnis à un phénomène marginal. Mais une fois que les militaires entrent en jeu, ce n'est plus la même histoire. Pendant ces années passées au ministère de la Défense britannique, Nick Pope a enquêté sur 200 à 300 nouveaux rapports sur les ovnis par an, ce qui fait de lui l'investigateur le plus expérimenté du pays. L'une des plus importantes observations d'OVNI est l'incident de la forêt de Rendlesham, qui s'est déroulé juste ici. Sur l'échelle des cas d'OVNI, celui-ci se situe tout en haut en termes d'importance et de preuves. On a parfois appelé ce cas le Roswell anglais. 26 décembre 1980, minuit. La police militaire de la base de Woodbridge, située près de la base de Bentwaters, aperçoit une source lumineuse inconnue dans la forêt de Rendlesham. Ils croient d'abord que c'est un appareil qui est tombé. Mais plus tard, ils se rendent compte que cela pourrait bien être quelque chose d'autre. Le sergent Peniston et 2 autres sous-officiers se rendent sur place. Quand nous sommes arrivés sur le site du crash, on a vite compris que ce n'était pas un avion ou un autre appareil qui s'était écrasé. J'ai vu de la lumière émaner d'un objet sur le sol de la forêt. Peniston et son équipe approchent de l'objet à pied et, en chemin, ils prennent des notes. Un appareil de forme triangulaire, d'environ 3 mètres de long et 2 mètres de haut, est apparu. Peniston déclare que des lumières bleues et jaunes balayaient la surface de l'appareil. On a commencé à avoir des problèmes avec la radio. L'air était chargé d'électricité. On le sentait sur nos vêtements, sur notre peau et nos cheveux. Peniston affirme que la surface de l'appareil portait des symboles de 7 cm de hauteur sur 80 cm de long. Le plus grand des symboles était un triangle au milieu d'un cercle. Peniston parvient à se rapprocher de l'objet et affirme qu'il l'a touché. Ça ressemblait à de l'onyx noir, mais je n'ai rien senti en le touchant. 45 minutes plus tard, l'objet manœuvre dans la forêt et s'envole. Il s'est soulevé du sol et a filé à une vitesse incroyable. Il a disparu en un clin d'œil. Plus de 80 membres de l'armée de l'air l'ont vu décoller. Ce n'était pas un hélicoptère ?
Ce n'était pas possible de poser un hélicoptère là-bas ou aucun autre appareil conventionnel. Le plus important, c'est que ce sont des gens qui travaillent sur une base aérienne et ils ont dit que ça ne ressemblait à rien de ce qu'ils connaissaient. J'ai l'impression d'être dans l'œil du cyclone des ovnis. Un sous-officier expérimenté des forces aériennes a rencontré quelque chose d'extraterrestre. Cet ovni était de forme triangulaire. Il mesurait environ 3 mètres de long et 2 mètres de haut. Jim Peniston a pu s'en approcher assez pour toucher le côté de l'appareil. Et il a vu des symboles étranges sur la coque. Peniston a retranscrit 6 des symboles incrustés sur l'appareil. La majorité d'entre eux sont composés de lignes droites et sont symétriques. Depuis des années, des gens ont essayé de déchiffrer cette inscription. Ils ont pensé que c'était des hiéroglyphes ou des pictogrammes. Il est clair qu'il y a un message que nous n'avons pas encore su déchiffrer. Certains témoins affirment que l'OVNI a laissé des preuves matérielles. Il y avait des marques dans le sol, à l'endroit où l'appareil s'était posé. On approche de la zone, on est à 8-10 mètres. C'est bizarre, c'est vraiment étrange. Qui examine les traces au sol ? Dites-vous bien que c'était en plein milieu de l'hiver. Le sol était très dur. Les marques ont été laissées par quelque chose qui devait peser plusieurs tonnes. Il y avait 3 de ces marques. Des moulages en plâtre des marques ont été effectués. On a prétendu qu'en relevant leur position, elles formaient un triangle équilatéral. C'est comme si l'appareil s'était posé en s'appuyant sur un genre de train à 3 pieds. En 1980, aucun appareil connu ne comportait de train d'atterrissage qui formait un triangle équilatéral. La nuit suivante, 5 soldats menés par le colonel Charles Holt se rendent sur les lieux. Ils découvrent ce qu'ils pensent être des preuves irréfutables d'une activité anormale. L'appareil avait laissé des preuves physiques. Et ils sont témoins d'un événement alarmant. Il est revenu. Le 26 décembre 1980, minuit. 80 membres de l'armée de l'air affirment avoir vu un objet lumineux inconnu atterrir dans la forêt de Rendlesham, en Angleterre. Non seulement cet ovni a été vu par des militaires entraînés, qui sont des témoins fiables, mais il a laissé des preuves physiques. Il a laissé des traces au sol, là où il a atterri. La nuit suivante, une équipe d'officiers balaye la zone avec un compteur GGR et détecte des traces anormales de radioactivité. Que disent les chiffres ? Il y a quelque chose ? 7 dixièmes, juste ici. 7 dixièmes au centre ? C'est ça. En termes de preuves, le plus important, c'est qu'ils ont relevé des taux très élevés. Ils étaient très élevés dans les 3 trous qu'a fait l'appareil en se posant. Le ministère de la Défense a publié 38 pages de documents sur l'observation de Rendlesham. La plupart sont des correspondances avec les habitants de la zone, curieux de savoir ce qu'il s'était passé. Mais un des mémos de communication entre les départements contient une phrase inquiétante. Notre personnel de la Défense et du renseignement a reconnu que les niveaux de radiation étaient, je cite, « bien au-dessus de la normale ». C'est on ne peut plus officiel. C'est écrit noir sur blanc dans un rapport du ministère de la Défense, écrit par leurs scientifiques et leurs spécialistes du renseignement. Contrairement à d'autres histoires d'OVNI, celle-ci peut être confirmée par l'analyse de documents fiables qui mentionnent exactement ce dont nous parlons. Nick Pope nous a parlé de documents dont nous ne connaissions même pas l'existence, ce qui rend la théorie encore plus valide à mes yeux. Ça fait vraiment passer l'enquête à un autre niveau. Des experts pensent que certaines bases militaires ont une longue histoire secrète de rencontres avec des ovnis. Il y a des centaines de cas de rencontres entre des appareils militaires et des ovnis. L'équipe tente de trouver une explication à ces dérangeantes observations. Je cherche dans les archives
et j'ai découvert qu'il y a un fort lien entre les militaires et les observations d'OVNI. En juillet 1945, on a testé notre première bombe atomique. Deux ans plus tard, au mois de juillet aussi, il y avait le crash de Roswell. Il a eu lieu à quoi, 150 km d'Alamogordo? Depuis 1947, il existe une corrélation entre les possibles observations d'OVNI et le test, la fabrication et le stockage d'armes nucléaires. Est-ce une simple coïncidence que Roswell soit situé à tout juste 150 km de Trinity, au Nouveau-Mexique, où a explosé la toute première bombe atomique au monde? Il y a aussi ce cas à Pascal, dans l'État de Washington, en 1945. Cet homme connaît la forêt comme sa poche et il m'a fait comprendre qu'il n'a rien trouvé d'inhabituel dans la zone où l'OVNI aurait atterri. Il est convaincu que c'était le phare. À 10 km du lieu de l'observation se trouve le phare d'Orford Ness. Les sceptiques affirment que c'est son rayon lumineux d'une puissance de 3000 watts que les soldats ont pris pour un OVNI. On dirait un œil qui vous regarde, qui cligne. La lumière est si forte qu'elle vous brûle presque les yeux. Si on croit que ce n'est pas le phare qu'ils ont vu, on croit qu'ils ont vu un ovni dont la lumière flashait au même rythme que celle du phare. Pourtant, sur la cassette du colonel, on n'en entend pas parler du tout. Vincent a dit également que l'intervalle entre chaque flash du phare est de 5 secondes, ce qui semble coïncider avec les enregistrements que vous avez faits sur la cassette. Ce ne serait qu'une coïncidence? Je vais vous montrer quelque chose. J'ai le dictaphone avec moi. Il est tout petit. Les cassettes durent 20 minutes. Et je n'aurais jamais pu enregistrer tout ce qui s'est passé. J'ai dû l'arrêter une centaine de fois. C'est très facile. Il y a juste à pousser ce bouton. J'ai fait ça tout le temps parce que je voulais avoir assez de bandes. Le voilà. Je le vois aussi. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, monsieur. C'est une étrange petite lumière rouge. Elle est environ à 500 mètres, peut-être un peu plus loin. 6 semaines plus tard, Vincent Sorquettel inspecte les marques laissées au sol par le supposé OVNI. On va dans les bois, je suis un peu nerveux, mon cœur bat vite. On arrive à un endroit où il y avait un cercle formé de bouts de bois par-dessus des fougères dans une clairière. Il y avait ces tas de terre marron comme ceux qu'il y a là. Il me dit, c'est là. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que c'était un lapin qui avait creusé. Vincent a aussi un argument pour les marques dans le sol. Il dit que ce sont des trous faits par des lapins. Un ou deux jours après l'incident, je suis sûr qu'un des membres de la police militaire est allé là-bas et a créé un ou deux faux sites. Ils ont mis des bouts de bois par terre tout autour. Pourquoi faire une chose pareille? Pour créer une fausse piste, peut-être. Peut-être que Vincent n'a pas vu le bon endroit. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a dit qu'il y était allé 6 semaines plus tard. Pourquoi la théorie de quelqu'un comme Vincent, qui n'était pas présent le jour même, inspire autant de confiance? Ce n'est pas rare que les programmes noirs, comme je les appelle, utilisent la désinformation. C'est un outil très efficace et une très bonne manière de discréditer un récit. Plusieurs jours avant que le rapport sur Bentwaters ne parvienne à l'armée de l'air américaine, les services secrets britanniques débarquent et interrogent les gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Le gouvernement britannique devait savoir d'une façon ou d'une autre ce qui se passait et ce qu'il devait faire pour camoufler toute cette histoire. Au début, je me suis dit que c'était peut-être le phare, mais maintenant, je commence à croire que le colonel a vécu une expérience énorme. Des témoignages en désaccord émis par des témoins très fiables ont gardé le débat actif autour de la théorie du phare depuis plus de 27 ans. Mais les témoignages peuvent-ils résister à l'examen scientifique des preuves? Je cherche à obtenir plus de détails sur sa position précise, celle de l'OVNI, où il a atterri, ainsi que la position et l'orientation de la ferme. L'explication acceptée par tous est que le phare a émis un rayon lumineux qui s'est reflété sur la ferme et a créé la mystérieuse lumière qu'ont vue les officiers. L'équipe décide de mettre cette théorie à l'épreuve. On va essayer d'avoir les meilleures coordonnées possibles. Je sais que c'était il y a 27 ans, mais on va faire de notre mieux. Jeff et moi, on va rester ici avec le GPS, et j'aimerais que vous retourniez là où vous étiez cette nuit-là. Puis, on ajustera nos positions en se basant sur les lignes qu'on aura depuis le site. En utilisant les coordonnées GPS des repères spatiaux, l'équipe va reconstituer un modèle en 3 dimensions de l'incident. Ils étaient par ici?
Un peu plus à droite. Ted, décalez-vous un peu. Avancez encore. C'est bon. C'est bon. C'est le mieux que je puisse faire. Marquez un point de cheminement. Ted note les coordonnées GPS de l'endroit où le colonel a vu atterrir l'OVNI. C'est bon. Le colonel Holt indique la direction du phare. Là, il y a un creux dans la ligne de cime des arbres. Il y avait environ 30 degrés entre l'endroit où j'ai vu l'objet et la position du phare. C'est ce dont je me souviens. Si Jeff représente la source de lumière, c'est bon comme ça? Ouais. Marque un point de cheminement. Ted, reviens par ici. On va brancher le GPS sur la caméra et on va filmer depuis ce point de cheminement. L'objet, qui a été vu par plus de 80 membres de l'armée de l'air et par le commandant adjoint de la base, était-il un simple rayon de lumière, un ovni ou quelque chose d'autre? Est-il possible que ce soit le rayon du phare que les hommes ont vu dans la forêt? La science nous donnera peut-être la réponse. Mais un nouveau témoin expert, jamais interrogé auparavant, se manifeste. Le phare... John Tyndall, créateur d'expérience, a construit un modèle de la forêt de Rendlesham pour comprendre ce qu'ont pu voir les militaires. Était-ce un ovni ou un simple rayon de lumière? Rappelez-vous, on est allé dans la forêt de Rendlesham et on a pris des photos et les coordonnées GPS. Voici la vue depuis l'endroit où se tenait le colonel Holt cette nuit-là. Avec tous ces éléments, on a pu recréer à échelle réduite tout ce qui s'est passé. On essaie d'infirmer ou de confirmer deux hypothèses. Numéro 1, est-ce qu'un phare à 10 km de distance peut avoir un effet sur la façade de la ferme? Numéro 2, est-ce qu'un ovni peut avoir un effet sur la façade du même bâtiment? Le colonel a dit qu'il avait vu des reflets qui venaient des fenêtres. Donc, dans la maquette, on a mis des miroirs de dentiste pour qu'on puisse avoir des reflets. Personne n'a jamais déterminé géométriquement les angles de vue précis entre le phare, la ferme, la clairière et la forêt. Où était l'angle de vue du colonel? Juste là. Il se tenait là. On a mis en place cette ligne de vision pour avoir l'angle exact vers le phare ou les fenêtres de la maison. Je le vois. Jeff, apporte la baguette magique OVNI. On va pouvoir faire les approximations. Jeff a mis la lumière là où le colonel a dit qu'il avait vu atterrir l'OVNI. Je vois le reflet dans la fenêtre depuis ce point de vue. Par contre, la lumière du phare est complètement séparée. Elle ne se reflète pas dans la fenêtre. Le phare ne se reflète pas du tout depuis cette ligne de vision. On voit la lumière directement, mais pas sans reflet. Je ne comprends même pas ce que vient faire le phare là-dedans. Bien vu. Le phare est presque au-dessus de l'horizon. Et ça me paraît bizarre que des soldats expérimentés s'affolent à cause d'un phare à des kilomètres de là. Ce n'est pas continu, mais il y a quelque chose, c'est sûr. Un genre de phénomène. On est sorti de la forêt juste ici. Et on lui a encore couru après sur une centaine de mètres. Il est sorti au milieu du champ. Dans ce champ se trouvait une ferme, du bétail, et à ce moment précis, un objet lumineux qui se déplaçait. On entend du bruit qui vient des granges de la ferme. Les animaux sont très agités et font beaucoup de bruit. Il arrive par le sud. Il vient vers nous. Nous, on regardait de ce côté. Là, il y a la ferme. L'objet était là-bas, dans le champ. Le phare est par là, à environ 30 degrés. J'aperçois ce qui a l'air d'être un rayon lumineux dirigé vers le sol. C'était pas possible. Quand vous êtes arrivé dans le champ, il était déjà parti? L'objet a explosé sans bruit en 5 autres lumières blanches, et elles ont disparu. Ça n'aurait pas pu être une fusée de détresse? Les fusées de détresse ne se déplacent pas dans la forêt en évitant les arbres de bas en haut. À un moment, il est venu vers nous, et quand on s'est approché, il est parti vers le champ. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? C'était un objet de forme ovale, rouge-orangé et lumineux, comme le soleil en pleine journée.
Le centre était noir et on aurait dit un œil qui clignait. Il y avait comme du métal en fusion qui coulait. Du métal en fusion? C'est ce à quoi ça m'a fait penser. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui coulait. Donc on oublie l'hélicoptère? Non, c'était pas un hélicoptère. Le colonel Holt est le témoin le plus crédible à qui j'ai eu la chance de parler. Il a dirigé toute une base militaire qui abritait des armes top secrètes dont il n'a pas le droit de me parler. Et je ne pense pas qu'il ait fait des erreurs cette nuit-là. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dont les gens n'étaient pas censés entendre parler. Les deux bases situées en bordure de la forêt sont parmi les plus sécurisées du monde. Des barrières infranchissables entourent la base. Il y a des barbelés, des détecteurs de mouvement, des capteurs et plus de 25 hommes lourdement armés pour garder les lieux. C'est un des lieux qui a la meilleure sécurité au monde. Ce truc est sorti du ciel. Il a atterri ici, non pas une, mais deux fois en 24 heures, sans déclencher aucune alarme. La seule chose qui l'ait repéré, c'est l'œil humain, quand les gardes sont sortis pour le voir. Ce qui est étrange, c'est qu'il était très lumineux et qu'il a dirigé un rayon vers le sol, comme s'il ne se préoccupait pas d'être vu ou non. C'était comme s'il ne s'inquiétait pas du tout de savoir comment on allait se défendre contre lui. Rien de ce que nous avions ne lui a fait peur. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus. La base de Bentwaters a très sûrement abrité des armes nucléaires dans les années 80. Lorsque le climat mondial était tendu. Rappelez-vous de la situation mondiale en 1980. Certains historiens ont appelé cette période la Deuxième Guerre froide, une guerre froide qui menaçait de se transformer en véritable guerre. Les deux adversaires s'observaient, chacun de son côté du rideau de fer. Ronald Reagan venait d'être élu président et formulait toutes sortes de menaces contre l'empire du mal de l'Union soviétique. Les deux camps faisaient toutes sortes de menaces militaires. On n'était pas très rassurés. Je ne dis pas que les aliens nous espionnaient vraiment. Mais si c'était le cas, ils auraient pu penser qu'on était prêt à appuyer sur le bouton rouge. Et voilà qu'un ovni survolant une base qui abrite des armes nucléaires envoie des rayons sur les armes, sûrement pour les scanner. Ça a interféré avec les opérations de la base, avec leur radio. Ils ont envoyé une équipe de sécurité, mais l'OVNI les a conduits hors de la base. Les Américains ont eu peur, ils ont classé l'affaire, ils n'ont rien fait du tout et ont surtout évité d'en parler. Les États-Unis n'ont pas enquêté sur les ovnis depuis la fin du projet Blue Book en janvier 1970. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne le fait, car les objets non identifiés peuvent représenter une menace pour la sécurité du territoire. Curieusement, le colonel Holt, de nationalité américaine, n'a jamais été interrogé ni débriefé par les autorités britanniques. Rien de tel ne s'était jamais produit auparavant. Toutes les autres observations d'OVNI n'étaient que des lumières dans le ciel. Les Américains espéraient que les Britanniques s'en occuperaient. Et les Britanniques pensaient que c'était un problème américain. Et qu'avec un peu de chance, personne n'en parlerait. Et tout serait oublié. Les autorités britanniques et américaines conseillent au colonel Holt d'envoyer un mémo au ministère de la Défense britannique à propos de ce qui s'est passé dans la forêt. Mais deux jours avant que le colonel ne fasse partir son mémo, un autre événement inexplicable se produit. Un événement qui laisse Vincent Surkettle, forestier et habitant de la zone, perplexe et troublé. J'habitais dans un cottage, juste là. J'étais sorti couper du bois. Surkettle vivait et travaillait dans la forêt de Rendlesham au moment des faits. Entre Noël et le Nouvel An, une voiture est venue. Deux jeunes hommes anglais en costume en sont sortis. Ils devaient avoir 25 ans. Ils sont venus me parler et ils m'ont dit « Nous avons entendu dire qu'on avait vu des lumières rouges dans la forêt ». Qui étaient ces hommes mystérieux et comment avaient-ils entendu parler de l'OVNI avant même que le colonel Holt n'envoie son mémo? J'ai bien l'impression que Vincent a reçu une visite. L'équipe découvre des réponses inquiétantes. Quelques jours après l'incident de l'OVNI, deux hommes étranges viennent interroger les résidents de la forêt de Rendlesham. Personne ne sait qui ils sont ni ce qu'ils cherchent. Une voiture est venue, deux jeunes hommes anglais en costume en sont sortis. Ils devaient avoir 25 ans. Ils sont venus me parler et ils m'ont dit « Nous avons entendu dire qu'on avait vu des lumières rouges dans la forêt. Étiez-vous dehors hier soir ?» J'ai dit non. Ils m'ont demandé si j'avais vu quelque chose, si je connaissais quelqu'un qui avait vu quelque chose. J'ai dit non. Ils ont stoppé net la conversation et ils sont partis.
Je trouve ça génial, cette nouvelle info sur Vincent Surkettle qui reçoit la visite d'un genre de Men in Black. Il a dit que deux Anglais en costume noir, dans une voiture noire, étaient venus le voir. Ça fait très cliché, mais j'ai bien l'impression qu'il a reçu la visite de Men in Black. Les chercheurs d'OVNI parlent de la rencontre de Vincent Surkettle comme un scénario classique de Men in Black. Après une observation d'OVNI, il n'est pas rare que deux hommes rendent visite aux témoins pour leur poser des questions sur ce qu'ils ont vu. Deux jeunes Anglais m'ont posé des questions et j'ai découvert plus tard qu'ils avaient interrogé tous les habitants de la zone pour savoir si on était dehors ce soir-là et si nous avions vu quelque chose. Vous pensez que c'était des journalistes, des militaires? Si c'était des journalistes, ils n'ont jamais publié leur histoire. Ce qui m'étonne le plus, c'est que le colonel Holt n'avait pas encore envoyé sa lettre. Cette lettre qui devait tout révéler aux Britanniques. Il ne l'avait pas encore écrite. On enquête sur ce cas depuis des décennies et c'est la première fois que j'entends parler de ces Men in Black. C'est une énorme pièce du puzzle, cette histoire. Il faut que j'aille en parler au colonel Holt. Il pourra peut-être m'en dire un peu plus. Vincent m'a dit qu'il avait reçu la visite de deux jeunes hommes en costume noir qui lui avaient posé des questions sur l'incident. Comment aurait-il pu être au courant, puisque votre mémo n'avait pas encore été envoyé? Je ne sais pas qui c'était. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait en douce. Je sais que les gars de l'Air Force ont été interrogés dans des circonstances très mystérieuses par des gens qu'ils ne connaissaient pas. Certains d'entre eux étaient britanniques. Vincent Surkettle travaille pour les services forestiers et connaît très bien la forêt de Rendlesham. Il pense que ce qu'a vu le colonel Holt n'était pas un OVNI. Un OVNI est apparu sur le radar d'une base aéronavale. Il survolait Hanford Engineering, un important fabricant de plutonium. Exactement. Et plus tard, Hanford est devenue une centrale nucléaire. L'industrie du nucléaire est restée à cet endroit pendant plus de 60 ans. En 1945, le laboratoire international Oak Ridge, dans le Tennessee, observe à plusieurs reprises des ovnis. Nous savons aujourd'hui que ce laboratoire était une usine de bombes nucléaires top secrète. En 1965, la base aérienne d'Edwards, en Californie, repère 12 ovnis lumineux sur son radar. Ici la tour d'Edwards. On a un objet. On a la confirmation d'objets volants non identifiés dans votre zone. Des soucoupes volantes? On a la confirmation sur le radar. Des intercepteurs F-106 ont un contact visuel. J'ai une autre lumière rouge qui se déplace très vite. Il y a des lumières blanches et vertes qui clignotent. C'est sûrement pas un avion. Le F-106 transportait des missiles nucléaires parmi son armement. Est-il possible que la technologie nucléaire ait déclenché la visite d'un OVNI? S'il y a un lien entre les OVNIs et le nucléaire, qu'est-ce que tu crois qu'il est en train de se passer? Ils espionnent notre technologie, ça les intéresse? Ou peut-être qu'ils essaient d'empêcher le nucléaire? Je pense qu'ils nous surveillent, qu'ils nous espionnent. Mais le plus important, c'est qu'à chaque cas d'OVNI qui entre dans l'espace aérien au-dessus de bâtiments qui abritent du nucléaire et qui sont des installations militaires à haut risque, ils ne prennent même pas la peine de se cacher. Ils entrent dans notre espace aérien en toute impunité, survolent les sites nucléaires. Ils se fichent de savoir si on va les voir ou pas. Le colonel Holt était commandant adjoint de la base lors de l'incident de Rendlesham. Il refuse d'infirmer ou de confirmer la présence d'armes nucléaires sur la base. Imaginez que c'était lui qui avait le doigt sur le bouton rouge du nucléaire, même s'il ne peut pas le dire, parce qu'on n'a pas le droit de parler des armes nucléaires américaines présentes sur le sol britannique. Une composante clé de la sécurité de la base, c'est cette tour de guet située au nord de l'allée. Elle donne sur toute la zone et le site de la forêt de Rendlesham. L'équipe rencontre Gary Hazeltine, un ancien policier militaire de l'armée de l'air, spécialisé dans la sécurité des sites nucléaires. J'ai longtemps été fasciné par le cas de la forêt de Rendlesham. Entre 1983 et 1989, j'ai servi dans la Royal Air Force comme officier de police sur deux sites nucléaires. Et il y avait toujours une haute tour. Ce qu'il y a d'important avec ces tours, c'est qu'elles sont au-dessus de la cime des arbres et qu'elles donnent une vue à 360 degrés. Colonel, quelle vue! C'est incroyable! On voit tout d'ici.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les arbres sont beaucoup plus hauts maintenant. D'ici, on avait un panorama à 360 degrés. On ne laissait jamais les arbres monter aussi haut pour des raisons de sécurité. L'opérateur de la tour avait une vue imprenable sur des kilomètres à la ronde. S'il y avait quelqu'un ici, il aurait pu voir tout ce qui s'est passé dans cette zone cette nuit-là. Les deux nuits même. Il y avait quelqu'un ici ce soir-là? Dans ce genre de tour, il y avait des hommes 24 heures sur 24, 365 jours par an. Colonel, j'imagine qu'il y avait quelqu'un. Est-ce que vous savez qui était là ce soir-là? Oui, en fait, je connais très bien celui qui était là. En novembre 2007, le colonel Holt reçoit un email de la part de l'un des gardes qui était en poste cette nuit de 1980. Nous avons correspondu et il m'a confirmé qu'il était dans la tour et qu'il a vu des rayons lumineux balayer la zone de stockage des armes, au même moment que celui que nous avons vu au-dessus de nous, dans le champ. Vous êtes en train de nous dire qu'il y avait un homme ici qui a vu l'incident et des rayons balayer la zone? C'est un nouveau témoin pour toute l'affaire. Il ne veut pas se manifester. S'il y avait quelqu'un ici qui a vu toute la scène, avec les lumières et ce qui s'est passé au sol dans la forêt, alors... On parle d'un véritable objet qui dirigeait des rayons lumineux sur un lieu particulier, une zone top secrète et sécurisée. On a un nouveau témoin. Ça nous donne une nouvelle vision de toute l'affaire. Il existe une autre preuve qui vient corroborer la théorie du présumé OVNI. La nuit suivante, le 26 décembre 1980, le colonel Charles Holt a enregistré sa rencontre sur une cassette. La bande permet de recréer son expérience minute par minute et constitue un document irréfutable dans l'histoire des ovnis. C'est de la folie! Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, monsieur. L'équipe retrace le parcours suivi par le colonel Holt cette nuit-là. Voici le fameux portail est de Woodbridge. C'est là que tout a commencé. Le colonel Holt est arrivé sur les lieux avec cinq autres hommes après avoir été informé par la police militaire que la mystérieuse lumière avait été aperçue une seconde fois. Les policiers n'arrêtaient pas de dire qu'il était revenu. Quand vous avez entendu ce que vous ont dit ces hommes, qu'est-ce que vous en avez conclu? À quoi vous avez pensé? Je me disais qu'il y avait une explication rationnelle à tout ça. Pour dire les choses clairement, je n'y croyais pas. Que s'est-il passé quand vous êtes allé sur le terrain? Il fallait bien que quelqu'un y aille pour tirer les choses au clair et faire cesser toute cette histoire. J'avais l'intention d'en finir avec tout ça pour qu'on passe à autre chose. C'était vraiment ce que je voulais faire, ce que je pensais faire. En arrivant là-bas, je me suis demandé pourquoi je m'étais mêlé à tout ça. J'aurais dû laisser quelqu'un d'autre s'en occuper, parce que personne ne vous croit. J'ai rassemblé une petite équipe de 5 hommes et on est parti dans la forêt. J'ai vu une lumière. Où ça? La revoilà. C'est une lumière rouge bizarre. Il arrive sur le côté, il vient vers nous. Le colonel Charles Holt, un soldat américain stationné en Grande-Bretagne en 1980, raconte la nuit où il a poursuivi ce qu'il pense être un OVNI. Est-ce que vous avez enregistré ou noté quoi que ce soit cette nuit-là? Oui, j'avais un petit... dictaphone avec moi. Je l'allumais dès qu'il se passait quelque chose. J'ai tout enregistré sur la cassette. C'est une lumière rouge bizarre. Il se passe quelque chose d'étrange. Elle vient de bouger vers la droite. Très étrange. Le colonel Holt raconte qu'il a mené un groupe de 5 soldats. Ils sont partis de la porte est de la base de Bentwaters, puis ont repéré l'objet lumineux dans la forêt de Rendlesham et l'ont suivi en direction de l'est. Lorsqu'ils ont atteint une ferme dans une clairière, l'objet a décollé. On avançait dans cette direction, comme l'objet que je voyais bouger à travers les arbres. On le voit en ce moment. On doit être à 200-300 mètres. On dirait un œil qui cligne. Il se déplace sans arrêt. On dirait que le centre est creux et sombre. On dirait la pupille d'un œil qui vous regarde. La lumière est si forte qu'elle brûle presque les yeux. Le colonel raconte que la lumière a passé un ruisseau pour atteindre un champ tout proche. Il vient de traverser le ruisseau. Il y a des flashs de lumière bizarres, comme un... 50 km d'Alomaguarda? Depuis 1947, il existe une corrélation entre les possibles observations d'OVNI et le test, la fabrication et le stockage d'armes nucléaires.
Est-ce une simple coïncidence que Roswell soit situé à tout juste 150 km de Trinity, au Nouveau-Mexique, où a explosé la toute première bombe atomique au monde? Il y a aussi ce cas à Pascal, dans l'État de Washington, en 1945. Cet homme connaît la forêt comme sa poche et il m'a fait comprendre qu'il n'a rien trouvé d'inhabituel dans la zone où l'OVNI aurait atterri. Il est convaincu que c'était le phare. À 10 km du lieu de l'observation se trouve le phare d'Orford Ness. Les sceptiques affirment que c'est son rayon lumineux d'une puissance de 3000 watts que les soldats ont pris pour un ovni. On dirait un œil qui vous regarde, qui cligne. La lumière est si forte qu'elle vous brûle presque les yeux. Si on croit que ce n'est pas le phare qu'ils ont vu, on croit qu'ils ont vu un ovni dont la lumière flashait au même rythme que celle du phare. Pourtant, sur la cassette du colonel, on n'en entend pas parler du tout. Vincent a dit également que l'intervalle entre chaque flash du phare est de 5 secondes, ce qui semble coïncider avec les enregistrements que vous avez faits sur la cassette. Ce ne serait qu'une coïncidence ? Je vais vous montrer quelque chose. J'ai le dictaphone avec moi. Il est tout petit. Les cassettes durent 20 minutes. Et je n'aurais jamais pu enregistrer tout ce qui s'est passé. J'ai dû l'arrêter une centaine de fois. C'est très facile. Il y a juste à pousser ce bouton. J'ai fait ça tout le temps parce que je voulais avoir assez de bandes. Le voilà. Je le vois aussi. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas, monsieur. C'est une étrange petite lumière rouge. Elle est environ à 500 mètres, peut-être un peu plus loin. 6 semaines plus tard, Vincent Sorquetel inspecte les marques laissées au sol par le supposé ovni. On va dans les bois, je suis un peu nerveux, mon cœur bat vite. On arrive à un endroit où il y avait un cercle formé de bouts de bois par-dessus des fougères dans une clairière. Il y avait ces tas de terre marron comme ceux qu'il y a là. Il me dit, c'est là. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que c'était un lapin qui avait creusé. Vincent a aussi un argument pour les marques dans le sol. Il dit que ce sont des trous faits par des lapins. Un ou deux jours après l'incident, je suis sûr qu'un des membres de la police militaire est allé là-bas et a créé un ou deux faux sites. Ils ont mis des bouts de bois par terre tout autour. Pourquoi faire une chose pareille ? Pour créer une fausse piste, peut-être. Peut-être que Vincent n'a pas vu le bon endroit. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a dit qu'il y était allé 6 semaines plus tard. Pourquoi la théorie de quelqu'un comme Vincent qui n'était... C'est le mieux que je puisse faire. Marque un point de cheminement ! Ted note les coordonnées GPS de l'endroit où le colonel a vu atterrir l'OVNI. C'est bon ! Le colonel Holt indique la direction du phare. Là, il y a un creux dans la ligne de cime des arbres. Il y avait environ 30 degrés entre l'endroit où j'ai vu l'objet et la position du phare. C'est ce dont je me souviens. Si Jeff représente la source de lumière, c'est bon comme ça ? Ouais. Marque un point de cheminement ! Ted, reviens par ici ! On va brancher le GPS sur la caméra et on va filmer depuis ce point de cheminement. L'objet, qui a été vu par plus de 80 membres de l'armée de l'air et par le commandant adjoint de la base, était-il un simple rayon de lumière, un ovni ou quelque chose d'autre ? Est-il possible que ce soit le rayon du phare que les hommes ont vu dans la forêt ? La science nous donnera peut-être la réponse. Mais un nouveau témoin expert, jamais interrogé auparavant, se manifeste. Le phare... John Tyndall, créateur d'expérience, a construit un modèle de la forêt de Rendlesham pour comprendre ce qu'ont pu voir les militaires. Était-ce un ovni ou un simple rayon de lumière ? Rappelez-vous, on est allé dans la forêt de Rendlesham et on a pris des photos et les coordonnées GPS. Voici la vue depuis l'endroit où se tenait le colonel Holt cette nuit-là. Avec tous ces éléments, on a pu recréer à échelle réduite tout ce qui s'est passé. On essaie d'infirmer ou de confirmer deux hypothèses. Numéro 1, est-ce qu'un phare à 10 km de distance peut avoir un effet sur la façade de la ferme ? Numéro 2, est-ce qu'un ovni peut avoir un effet sur la façade du même bâtiment ? Le colonel a dit qu'il avait vu des reflets qui venaient des fenêtres. Donc, dans la maquette, on a mis des miroirs de dentiste pour qu'on puisse avoir des reflets.
Personne n'a jamais déterminé géométriquement les angles de vue précis entre le phare, la ferme, la clairière et la forêt. Où était l'angle de vue du colonel ? Juste là. Il se tenait là. On a mis en place cette ligne de vision pour avoir l'angle exact vers le phare ou les fenêtres de la maison. Je le vois. Jeff, apporte la baguette magique OVNI. On va pouvoir faire les approximations. Jeff a mis la lumière là où le colonel a dit qu'il avait vu atterrir l'OVNI. Je vois le reflet dans la fenêtre depuis ce point de vue. Par contre, la lumière du phare est complètement séparée. Elle ne se reflète pas dans la fenêtre. Il peut y avoir d'autres explications. On sait qu'il y a deux bases aériennes top secrètes dans cette zone. Ça aurait très bien pu être un appareil militaire secret, un drone ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas me précipiter sur la conclusion que c'était des véhicules extraterrestres. C'est vrai, ça pourrait très bien être une sorte de drone, mais pas un des nôtres. Ça expliquerait toute la désinformation qu'il y a eu et le déni du gouvernement sur le fait que quoi que ce soit ait existé. Je te dirais sans hésiter que je suis d'accord. Mais il y a quand même une chose qui me chiffonne. Les drones, du moins ceux que je connais, ne flottent pas dans l'air au-dessus des champs et ne se séparent pas en cinq lumières blanches. C'est ça qui me dérange. Ça pourrait être un drone top secret. Je trouve qu'on a fait un super boulot sur cette affaire. On l'a bien bouclé. On a envoyé balader les sceptiques en démontant toutes leurs théories. Vous savez quoi ? On a démystifié les démystificateurs. L'affaire de la forêt de Rendlesham diffère des autres cas par le nombre très important de témoins. Plus de 80 hommes l'ont vu décoller. Leur niveau de compétence. Le commandant adjoint de la base m'a dit qu'il avait vu un ovni. Et les preuves matérielles trouvées sur le terrain. Il y avait de la radioactivité. Mais comme pour toutes les affaires d'ovni, il existe peut-être une explication rationnelle pour ce qui s'est passé lors de ces deux nuits de 1980. Les soldats ont-ils vraiment vu un ovni ? Est-il possible que les bases abritant des armes nucléaires soient surveillées par quelque chose qui n'appartient pas à notre monde ? Je suis convaincu que nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Les raisons de la présence persistante d'ovnis, à cet endroit comme ailleurs, sont aussi mystérieuses que les ovnis eux-mêmes. Il se passe quelque chose de très étrange. Les gouvernements du monde entier nient officiellement l'existence des ovnis. J'ai été appelé pour enquêter sur un événement très étrange. Un lourd voile de secret a été jeté sur les rencontres, surtout sur celles où un appareil non identifié pourrait avoir compromis la sécurité du territoire. Rien dans mon entraînement ne m'avait préparé à ce que j'ai vu. Mais certaines affaires se sont révélées trop importantes et trop bien documentées pour rester secrètes. Comme celle connue sous le nom de Roswell Anglais. J'ai vu une lumière. Rendlesham. La plupart sont des correspondances avec les habitants de la zone, curieux de savoir ce qu'il s'était passé. Mais un des mémos de communication entre les départements contient une phrase inquiétante. Notre personnel de la défense et du renseignement a reconnu que les niveaux de radiation étaient, je cite, bien au-dessus de la normale. C'est on ne peut plus officiel. C'est écrit noir sur blanc dans un rapport du ministère de la Défense, écrit par leurs scientifiques et leurs spécialistes du renseignement. Contrairement à d'autres histoires d'OVNI, celle-ci peut être confirmée par l'analyse de documents fiables qui mentionnent exactement ce dont nous parlons. Nick Pope nous a parlé de documents dont nous ne connaissions même pas l'existence, ce qui rend la théorie encore plus valide à mes yeux. Ça fait vraiment passer l'enquête à un autre niveau. Des experts pensent que certaines bases militaires ont une longue histoire secrète de rencontres avec des ovnis.
Il y a des centaines de cas de rencontres entre des appareils militaires et des ovnis. L'équipe tente de trouver une explication à ces dérangeantes observations. Je cherche dans les archives et j'ai découvert qu'il y a un fort lien entre les militaires et les observations d'ovnis. En juillet 1945, on a testé notre première bombe atomique. 2 ans plus tard, au mois de juillet aussi, il y avait le crash de Roswell. Il a eu lieu à quoi, 150 km d'Alamogordo ? Depuis 1947, il existe une corrélation entre les possibles observations d'ovnis et le test, la fabrication et le stockage d'armes nucléaires. Est-ce une simple coïncidence que Roswell soit situé à tout juste 150 km de Trinity, au Nouveau-Mexique, où a explosé la toute première bombe atomique au monde? Il y a aussi ce cas à Pascal, dans l'état de Washington, en 1945. Cet homme connaît la forêt comme sa poche et il m'a fait comprendre qu'il n'a rien trouvé d'inhabituel dans la zone où l'OVNI aurait atterri. Il est convaincu que c'était le phare. À 10 km du lieu de l'observation se trouve le phare d'Orford Ness. Les sceptiques affirment que c'est son rayon lumineux d'une puissance de 3000 watts que les soldats ont pris pour un ovni. On dirait un œil qui vous regarde, qui cligne. La lumière est si forte qu'elle vous brûle presque les yeux. Si on croit que ce n'est pas le phare qu'ils ont vu, on croit qu'ils ont vu un ovni dont la lumière flashait au même rythme que celle du phare. Pourtant, sur la cassette du colonel, on n'en entend pas parler du tout. Vincent a dit également que l'intervalle entre chaque flash... On entend du bruit qui vient des granges de la ferme. Les animaux sont très agités et font beaucoup de bruit. Il arrive par le sud. Il vient vers nous. Nous, on regardait de ce côté. Là, il y a la ferme. L'objet était là-bas, dans le champ. Le phare est par là, à environ 30 degrés. J'aperçois ce qui a l'air d'être un rayon lumineux dirigé vers le sol. C'était pas possible. Quand vous êtes arrivé dans le champ, il était déjà parti ? L'objet a explosé sans bruit en 5 autres lumières blanches, et elles ont disparu. Ça n'aurait pas pu être une fusée de détresse ? Les fusées de détresse ne se déplacent pas dans la forêt en évitant les arbres de bas en haut. À un moment, il est venu vers nous et quand on s'est approché, il est parti vers le champ. Qu'est-ce que vous avez vu exactement ? C'était un objet de forme ovale, rouge-orangé et lumineux, comme le soleil en pleine journée. Le centre était noir et on aurait dit un œil qui clignait. Il y avait comme du métal en fusion qui coulait. Du métal en fusion ? C'est ce à quoi ça m'a fait penser. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui coulait. Donc on oublie l'hélicoptère ? Non, c'était pas un hélicoptère. Le colonel Holt est le témoin le plus crédible à qui j'ai eu la chance de parler. Il a dirigé toute une base militaire qui abritait des armes top secrètes dont il n'a pas le droit de me parler. Et je ne pense pas qu'il ait fait des erreurs cette nuit-là. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dont les gens n'étaient pas censés entendre parler. Les deux bases situées en bordure de la forêt sont parmi les plus sécurisées du monde. Des barrières infranchissables entourent la base. Il y a des barbelés, des détecteurs de mouvement, des capteurs et plus de 25 hommes lourdement armés pour garder les lieux. C'est un des lieux qui a la meilleure sécurité au monde. Ce truc est sorti du ciel. Il a atterri ici, non pas une, mais deux fois en 24 heures, sans déclencher aucune alarme. La seule chose qui l'ait repéré, c'est l'œil humain, quand les gardes sont sortis pour le voir. Ce qui est étrange, c'est qu'il était très lumineux et qu'il a dirigé un rayon vers le sol, comme s'il ne se préoccupait pas d'être vu ou non. C'était comme s'il ne s'inquiétait pas du tout de savoir comment on allait se défendre contre lui. Rien de ce que nous avions ne lui a fait peur. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus. La base de Bentwaters a très sûrement abrité des armes nucléaires dans les années 80. Lorsque le climat mondial était tendu. Rappelez-vous de la situation mondiale en 1980. Certains historiens ont appelé cette période la Deuxième Guerre froide, une guerre froide qui menaçait de se transformer en véritable guerre. Les deux adversaires s'observaient, chacun de son côté du rideau de fer. Ronald Reagan venait d'être élu président et formulait toutes sortes de menaces contre l'empire du mal de l'Union soviétique. Les deux camps faisaient toutes sortes de menaces militaires. On n'était pas très rassurés. Tout l'incident se déroulait.
On a interrogé d'autres témoins et les histoires de chacun d'entre eux sont crédibles. Tous ces témoins oculaires racontent la même histoire depuis plus de 30 ans. Et on a démonté la théorie du phare. D'accord, mais ce n'est pas parce qu'on a infirmé la théorie du phare qu'on a prouvé l'existence des ovnis. Il peut y avoir d'autres explications. On sait qu'il y a deux bases aériennes top secrètes dans cette zone. Ça aurait très bien pu être un appareil militaire secret, un drone ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas me précipiter sur la conclusion que c'était des véhicules extraterrestres. C'est vrai, ça pourrait très bien être une sorte de drone, mais pas un des nôtres. Ça expliquerait toute la désinformation qu'il y a eu et le déni du gouvernement sur le fait que quoi que ce soit ait existé. Je te dirais sans hésiter que je suis d'accord. Mais il y a quand même une chose qui me chiffonne. Les drones, du moins ceux que je connais, ne flottent pas dans l'air au-dessus des champs et ne se séparent pas en cinq lumières blanches. C'est ça qui me dérange. Ça pourrait être un drone top secret. Je trouve qu'on a fait un super boulot sur cette affaire. On l'a bien bouclé. On a envoyé balader les sceptiques en démontant toutes leurs théories. Vous savez quoi? On a démystifié les démystificateurs. L'affaire de la forêt de Rendlesham diffère des autres cas par le nombre très important de témoins. Plus de 80 hommes l'ont vu décoller. Leur niveau de compétence. Le commandant adjoint de la base m'a dit qu'il avait vu un ovni. Et les preuves matérielles trouvées sur le terrain. Il y avait de la radioactivité. Mais comme pour toutes les affaires d'ovni, il existe peut-être une explication rationnelle pour ce qui s'est passé lors de ces deux nuits de 1980. Les soldats ont-ils vraiment vu un ovni? Est-il possible que les bases abritant des armes nucléaires soient surveillées par quelque chose qui n'appartient pas à notre monde? Je suis convaincu que nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Les raisons de la présence persistante d'ovnis, à cet endroit comme ailleurs, sont aussi mystérieuses que les ovnis eux-mêmes. Il se passe quelque chose de très étrange. Les gouvernements du monde entier nient officiellement l'existence des ovnis. J'ai été appelé pour enquêter sur un événement très étrange. Un lourd voile de secret a été jeté sur les rencontres. Surtout sur celles où un appareil non identifié, un des témoins, l'enregistre en vidéo. Trois puissants projecteurs lumineux apparaissent sur l'objet triangulaire. Les témoins rapportent que l'objet n'émet pas de son, à part un léger bourdonnement. 2 heures et demie plus tard, il a disparu. 4 mois plus tard, il réapparaît. Le colonel Wilfred Brouwer de l'armée de l'air belge envoie 2 intercepteurs F-16. La station Radar a été contactée plusieurs fois pour demander s'ils avaient des observations au radar. Quand les F-16 verrouillent l'appareil, ils se mettent à se déplacer de façon erratique avec une accélération de 46G, bien plus que ne peut supporter le corps humain. L'objet disparaît. Si on analysait tous ces cas de pilotes qui voient des ovnis, qui les suivent sur leur radar d'un bout à l'autre, on aurait des preuves irréfutables de la réalité du phénomène des ovnis. On a à la fois un observateur professionnel et fiable et les enregistrements des radars pour renforcer leur témoignage, ce qui donne des preuves incontestables. C'est facile d'assimiler les ovnis à un phénomène marginal. Mais une fois que les militaires entrent en jeu, ce n'est plus la même histoire. Pendant ces années passées au ministère de la Défense britannique, Nick Pope a enquêté sur 200 à 300 nouveaux rapports sur les ovnis par an, ce qui fait de lui l'investigateur le plus expérimenté du pays. L'une des plus importantes observations d'OVNI est l'incident de la forêt de Rendlesham, qui s'est déroulé juste ici. Sur l'échelle des cas d'OVNI, celui-ci se situe tout en haut en termes d'importance et de preuves. On a parfois appelé ce cas le Roswell anglais.
26 décembre 1980, minuit. La police militaire de la base de Woodbridge, située près de la base de Bentwaters, aperçoit une source lumineuse inconnue dans la forêt de Rendlesham. Ils croient d'abord que c'est un appareil qui est tombé. Mais plus tard, ils se rendent compte que cela pourrait bien être quelque chose d'autre. Le sergent Peniston et deux autres sous-officiers se rendent sur place. Quand nous sommes arrivés sur le site du crash, on a vite compris que ce n'était pas un avion ou un autre appareil qui s'était écrasé. J'ai vu de la lumière émaner d'un objet sur le sol de la forêt. Peniston et son équipe approchent de l'objet à pied et, en chemin, ils prennent des notes. Un appareil de forme triangulaire, d'environ 3 mètres de long et 2 mètres de haut, est apparu. Peniston déclarait, mais deux jours avant que le colonel ne fasse partir son mémo, un autre événement inexplicable se produit. Un événement qui laisse Vincent Surkettle, forestier et habitant de la zone, perplexe et troublé. J'habitais dans un cottage, juste là. J'étais sorti couper du bois. Surkettle vivait et travaillait dans la forêt de Rendlesham au moment des faits. Entre Noël et le Nouvel An, une voiture est venue. Deux jeunes hommes anglais en costume en sont sortis. Ils devaient avoir 25 ans. Ils sont venus me parler et ils m'ont dit « Nous avons entendu dire qu'on avait vu des lumières rouges dans la forêt. » Qui étaient ces hommes mystérieux et comment avaient-ils entendu parler de l'OVNI avant même que le colonel Holt n'envoie son mémo? J'ai bien l'impression que Vincent a reçu une visite. L'équipe découvre des réponses inquiétantes. Quelques jours après l'incident de l'OVNI, deux hommes étranges viennent interroger les résidents de la forêt de Rendlesham. Personne ne sait qui ils sont ni ce qu'ils cherchent. Une voiture est venue, deux jeunes hommes anglais en costume en sont sortis. Ils devaient avoir 25 ans. Ils sont venus me parler et ils m'ont dit « Nous avons entendu dire qu'on avait vu des lumières rouges dans la forêt. Étiez-vous dehors hier soir ?» J'ai dit non. Ils m'ont demandé si j'avais vu quelque chose, si je connaissais quelqu'un qui avait vu quelque chose. J'ai dit non. Ils ont stoppé net la conversation et ils sont partis. Je trouve ça génial, cette nouvelle info sur Vincent Surkettle qui reçoit la visite d'un genre de Men in Black. Il a dit que deux Anglais en costume noir, dans une voiture noire, étaient venus le voir. Ça fait très cliché, mais j'ai bien l'impression qu'il a reçu la visite de Men in Black. Les chercheurs d'OVNI parlent de la rencontre de Vincent Surkettle comme un scénario classique de Men in Black. Après une observation d'OVNI, il n'est pas rare que deux hommes rendent visite aux témoins pour leur poser des questions sur ce qu'ils ont vu. Deux jeunes Anglais m'ont posé des questions et j'ai découvert plus tard qu'ils avaient interrogé tous les habitants de la zone pour savoir si on était dehors ce soir-là et si nous avions vu quelque chose. Vous pensez que c'était des journalistes, des militaires? Si c'était des journalistes, ils n'ont jamais publié leur histoire. Ce qui m'étonne le plus, c'est que le colonel Holt n'avait pas encore envoyé sa lettre. Cette lettre qui devait tout révéler aux Britanniques, il ne l'avait pas encore écrite. On enquête sur ce cas depuis des décennies et c'est la première fois que j'entends parler de ces Men in Black. C'est une énorme pièce du puzzle, cette histoire. Il faut que j'aille en parler au colonel Holt. Il pourra peut-être m'en dire un peu plus. Vincent m'a dit qu'il avait reçu la visite de deux jeunes hommes en costume noir qui lui avaient posé des questions sur l'incident. Comment aurait-il pu être au courant, puisque votre mémo n'avait pas encore été envoyé? Je ne sais pas qui c'était. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait en douce. Je sais que les gars de l'Air Force ont été interrogés dans des circonstances très mystérieuses par des gens qu'ils ne connaissaient pas. Certains d'entre eux étaient britanniques. Vincent Surkettle travaille pour les services forts. On a un nouveau témoin. Ça nous donne une nouvelle vision de toute l'affaire. Il existe une autre preuve qui vient corroborer la théorie du présumé OVNI. La nuit suivante, le 26 décembre 1980, le colonel Charles Holt a enregistré sa rencontre sur une cassette. La bande permet de recréer son expérience minute par minute et constitue un document irréfutable dans l'histoire des ovnis. C'est de la folie! Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, monsieur. L'équipe retrace le parcours suivi par le colonel Holt cette nuit-là. Voici le fameux portail est de Woodbridge. C'est là que tout a commencé. Le colonel Holt est arrivé sur les lieux avec cinq autres hommes après avoir été informé par la police militaire que la mystérieuse lumière avait été aperçue une seconde fois.
Les policiers n'arrêtaient pas de dire qu'il était revenu. Quand vous avez entendu ce que vous ont dit ces hommes, qu'est-ce que vous en avez conclu? À quoi vous avez pensé? Je me disais qu'il y avait une explication rationnelle à tout ça. Pour dire les choses clairement, je n'y croyais pas. Que s'est-il passé quand vous êtes allé sur le terrain? Il fallait bien que quelqu'un y aille pour tirer les choses au clair et faire cesser toute cette histoire. J'avais l'intention d'en finir avec tout ça pour qu'on passe à autre chose. C'était vraiment ce que je voulais faire, ce que je pensais faire. En arrivant là-bas, je me suis demandé pourquoi je m'étais mêlé à tout ça. J'aurais dû laisser quelqu'un d'autre s'en occuper, parce que personne ne vous croit. J'ai rassemblé une petite équipe de 5 hommes et on est parti dans la forêt. J'ai vu une lumière. Où ça? La revoilà. C'est une lumière rouge bizarre. Il arrive sur le côté, il vient vers nous. Le colonel Charles Holt, un soldat américain stationné en Grande-Bretagne en 1980, raconte la nuit où il a poursuivi ce qu'il pense être un OVNI. Est-ce que vous avez enregistré ou noté quoi que ce soit cette nuit-là? Oui, j'avais un petit... dictaphone avec moi. Je l'allumais dès qu'il se passait quelque chose et j'ai tout enregistré sur la cassette. C'est une lumière rouge bizarre. Il se passe quelque chose d'étrange. Elle vient de bouger vers la droite. Très étrange. Le colonel Holt raconte qu'il a mené un groupe de 5 soldats. Ils sont partis de la porte est de la base de Bentwaters, puis ont repéré l'objet lumineux dans la forêt de Rendlesham et l'ont suivi en direction de l'est. Lorsqu'ils ont atteint une ferme dans une clairière, l'objet a décollé. On avançait dans cette direction, comme l'objet que je voyais bouger à travers les arbres. On le voit en ce moment. On doit être à 200-300 mètres. On dirait un œil qui cligne. Il se déplace sans arrêt. On dirait que le centre est creux et sombre. Je cherche à obtenir plus de détails sur sa position précise, celle de l'OVNI, où il a atterri, ainsi que la position et l'orientation de la ferme. L'explication acceptée par tous est que le phare a émis un rayon lumineux qui s'est reflété sur la ferme et a créé la mystérieuse lumière qu'ont vue les officiers. L'équipe décide de mettre cette théorie à l'épreuve. On va essayer d'avoir les meilleures coordonnées possibles. Je sais que c'était il y a 27 ans, mais on va faire de notre mieux. Jeff et moi, on va rester ici avec le GPS, et j'aimerais que vous retourniez là où vous étiez cette nuit-là. Puis, on ajustera nos positions en se basant sur les lignes qu'on aura depuis le site. En utilisant les coordonnées GPS des repères spatiaux, l'équipe va reconstituer un modèle en 3 dimensions de l'incident. Ils étaient par ici? Un peu plus à droite. Ted, décalez-vous un peu! Avancez encore! C'est bon! C'est bon? C'est le mieux que je puisse faire. Marque un point de cheminement! Ted note les coordonnées GPS de l'endroit où le colonel a vu atterrir l'OVNI. C'est bon! Le colonel Holt indique la direction du phare. Là, il y a un creux dans la ligne de cime des arbres. Il y avait environ 30 degrés entre l'endroit où j'ai vu l'objet et la position du phare. C'est ce dont je me souviens. Si Jeff représente la source de lumière, c'est bon comme ça? Ouais. Marque un point de cheminement! Ted, reviens par ici! On va brancher le GPS sur la caméra et on va filmer depuis ce point de cheminement! L'objet, qui a été vu par plus de 80 membres de l'armée de l'air et par le commandant adjoint de la base, était-il un simple rayon de lumière, un OVNI ou quelque chose d'autre? Est-il possible que ce soit le rayon du phare que les hommes ont vu dans la forêt? La science nous donnera peut-être la réponse. Mais un nouveau témoin expert, jamais interrogé auparavant, se manifeste. Le phare... John Tyndall, créateur d'expérience, a construit un modèle de la forêt de Rendlesham pour comprendre ce qu'ont pu voir les militaires. Était-ce un OVNI ou un simple rayon de lumière? Rappelez-vous, on est allé dans la forêt de Rendlesham et on a pris des photos et les coordonnées GPS. Voici la vue depuis l'endroit où se tenait le colonel Holt cette nuit-là. Avec tous ces éléments, on a pu recréer à échelle réduite tout ce qui s'est passé. On essaie d'infirmer ou de confirmer 2 hypothèses. Numéro 1, est-ce qu'un phare à 10 km de distance peut avoir un effet sur la façade de la ferme? Numéro 2, est-ce qu'un OVNI
peut avoir un effet sur la façade du même bâtiment. Le colonel a dit qu'il avait vu des reflets qui venaient des fenêtres. Donc qu'il ait fait des erreurs cette nuit-là. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dont les gens n'étaient pas censés entendre parler. Les deux bases situées en bordure de la forêt sont parmi les plus sécurisées du monde. Des barrières infranchissables entourent la base. Il y a des barbelés, des détecteurs de mouvement, des capteurs et plus de 25 hommes lourdement armés pour garder les lieux. C'est un des lieux qui a la meilleure sécurité au monde. Ce truc est sorti du ciel. Il a atterri ici, non pas une, mais deux fois en 24 heures, sans déclencher aucune alarme. La seule chose qui l'ait repéré, c'est l'œil humain, quand les gardes sont sortis pour le voir. Ce qui est étrange, c'est qu'il était très lumineux et qu'il a dirigé un rayon vers le sol, comme s'il ne se préoccupait pas d'être vu ou non. C'était comme s'il ne s'inquiétait pas du tout de savoir comment on allait se défendre contre lui. Rien de ce que nous avions ne lui a fait peur. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus. La base de Bentwaters a très sûrement abrité des armes nucléaires dans les années 80. Lorsque le climat mondial était tendu. Rappelez-vous de la situation mondiale en 1980. Certains historiens ont appelé cette période la Deuxième Guerre froide, une guerre froide qui menaçait de se transformer en véritable guerre. Les deux adversaires s'observaient, chacun de son côté du rideau de fer. Ronald Reagan venait d'être élu président et formulait toutes sortes de menaces contre l'empire du mal de l'Union soviétique. Les deux camps faisaient toutes sortes de menaces militaires. On n'était pas très rassurés. Je ne dis pas que les aliens nous espionnaient vraiment. Mais si c'était le cas, ils auraient pu penser qu'on était prêt à appuyer sur le bouton rouge. Et voilà qu'un ovni survolant une base qui abrite des armes nucléaires envoie des rayons sur les armes, sûrement pour les scanner. Ça a interféré avec les opérations de la base, avec leur radio. Ils ont envoyé une équipe de sécurité, mais l'OVNI les a conduits hors de la base. Les Américains ont eu peur, ils ont classé l'affaire, ils n'ont rien fait du tout et ont surtout évité d'en parler. Les États-Unis n'ont pas enquêté sur les ovnis depuis la fin du projet Blue Book en janvier 1970. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne le fait, car les objets non identifiés peuvent représenter une menace pour la sécurité du territoire. Curieusement, le colonel Holt, de nationalité américaine, n'a jamais été interrogé ni débriefé par les autorités britanniques. Rien de tel ne s'était jamais produit auparavant. Toutes les autres observations d'OVNI n'étaient que des lumières dans le ciel. Les Américains espéraient que les Britanniques s'en occuperaient. Et les Britanniques pensaient que c'était un problème américain. Et qu'avec un peu de chance, personne n'en parlerait. Et tout serait oublié. Les autorités britanniques et américaines, quand les F-16 verrouillent l'appareil, ils se mettent à se déplacer de façon erratique avec une accélération de 46G, bien plus que ne peut supporter le corps humain. L'objet disparaît. Si on analysait tous ces cas de pilotes qui voient des ovnis, qui les suivent sur leur radar d'un bout à l'autre, on aurait des preuves irréfutables de la réalité du phénomène des ovnis. On a à la fois un observateur professionnel et fiable et les enregistrements des radars pour renforcer leur témoignage, ce qui donne des preuves incontestables. C'est facile d'assimiler les ovnis à un phénomène marginal. Mais une fois que les militaires entrent en jeu, ce n'est plus la même histoire. Pendant ces années passées au ministère de la Défense britannique, Nick Pope a enquêté sur 200 à 300 nouveaux rapports sur les ovnis par an, ce qui fait de lui l'investigateur le plus expérimenté du pays. L'une des plus importantes observations d'OVNI est l'incident de la forêt de Rundlesham, qui s'est déroulé juste ici. Sur l'échelle des cas d'OVNI, celui-ci se situe tout en haut en termes d'importance et de preuves. On a parfois appelé ce cas le Roswell anglais. 26 décembre 1980, minuit. La police militaire de la base de Woodbridge, située près de la base de Bentwaters, aperçoit une source lumineuse inconnue dans la forêt de Rundlesham. Il croit d'abord que c'est un appareil qui est tombé. Mais plus tard, il se rend compte que cela pourrait bien être quelque chose d'autre.
le sergent Peniston et deux autres sous-officiers se rendent sur place. Quand nous sommes arrivés sur le site du crash, on a vite compris que ce n'était pas un avion ou un autre appareil qui s'était écrasé. J'ai vu de la lumière émaner d'un objet sur le sol de la forêt. Peniston et son équipe approchent de l'objet à pied et, en chemin, ils prennent des notes. Un appareil de forme triangulaire, d'environ 3 mètres de long et 2 mètres de haut, est apparu. Peniston déclare que des lumières bleues et jaunes balayaient la surface de l'appareil. On a commencé à avoir des problèmes avec la radio. L'air était chargé d'électricité. On le sentait sur nos vêtements, sur notre peau et nos cheveux. Peniston affirme que la surface de l'appareil portait des symboles de 7 cm de hauteur sur 80 cm de long. Le plus grand des symboles était un triangle au milieu d'un cercle. Peniston parvient à se rapprocher de l'objet et affirme qu'il l'a touché. Ça ressemblait à de l'onyx noir, mais je n'ai rien senti en le touchant. 45 minutes plus tard, l'objet manœuvre dans la forêt et s'envole. Ouais, j'ai vu que c'était un lapin qui avait creusé. Vincent a aussi un argument pour les marques dans le sol. Il dit que ce sont des trous faits par des lapins. Un ou deux jours après l'incident, je suis sûr qu'un des membres de la police militaire est allé là-bas et a créé un ou deux faux sites. Ils ont mis des bouts de bois par terre tout autour. Pourquoi faire une chose pareille? Pour créer une fausse piste, peut-être. Peut-être que Vincent n'a pas vu le bon endroit. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a dit qu'il y était allé 6 semaines plus tard. Pourquoi la théorie de quelqu'un comme Vincent, qui n'était pas présent le jour même, inspire autant de confiance? Ce n'est pas rare que les programmes noirs, comme je les appelle, utilisent la désinformation. C'est un outil très efficace et une très bonne manière de discréditer un récit. Plusieurs jours avant que le rapport sur Bentwaters ne parvienne à l'armée de l'air américaine, les services secrets britanniques débarquent et interrogent les gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Le gouvernement britannique devait savoir d'une façon ou d'une autre ce qui se passait et ce qu'il devait faire pour camoufler toute cette histoire. Au début, je me suis dit que c'était peut-être le phare, mais maintenant, je commence à croire que le colonel a vécu une expérience énorme. Des témoignages en désaccord émis par des témoins très fiables ont gardé le débat actif autour de la théorie du phare depuis plus de 27 ans. Mais les témoignages peuvent-ils résister à l'examen scientifique des preuves? Je cherche à obtenir plus de détails sur sa position précise, celle de l'OVNI, où il a atterri, ainsi que la position et l'orientation de la ferme. L'explication acceptée par tous est que le phare a émis un rayon lumineux qui s'est reflété sur la ferme et a créé la mystérieuse lumière qu'ont vue les officiers. L'équipe décide de mettre cette théorie à l'épreuve. On va essayer d'avoir les meilleures coordonnées possibles. Je sais que c'était il y a 27 ans, mais on va faire de notre mieux. Jeff et moi, on va rester ici avec le GPS, et j'aimerais que vous retourniez là où vous étiez cette nuit-là. Puis, on ajustera nos positions en se basant sur les lignes qu'on aura depuis le site. En utilisant les coordonnées GPS des repères spatiaux, l'équipe va reconstituer un modèle en 3 dimensions de l'incident. Ils étaient par ici? Un peu plus à droite. Ted, décalez-vous un peu! Avancez encore! C'est bon! C'est bon? C'est le mieux que je puisse faire. Marquez un point de cheminement! Ted note les coordonnées GPS de l'endroit où le colonel a vu atterrir l'OVNI. C'est bon! Le colonel Holt indique la direction du phare. Là, il y a un creux dans la ligne de cime des arbres. Il y avait environ 30 degrés entre l'endroit où j'ai vu l'objet et la position du phare. C'est ce dont je me souviens. Si Jeff représente la source de lumière, c'est bon comme ça? Ouais. Marque un point de cheminement! Ted, reviens par ici! On va brancher le Vincent m'a dit qu'il avait reçu la visite de 2 jeunes hommes en costume noir qui lui avaient posé des questions sur l'incident. Comment aurait-il pu être au courant, puisque votre mémo n'avait pas encore été envoyé? Je ne sais pas qui c'était. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait en douce. Je sais que les gars de l'Air Force ont été interrogés dans des circonstances très mystérieuses, par des gens qu'ils ne connaissaient pas. Certains d'entre eux étaient britanniques. Vincent Surkettle travaille pour les services forestiers et connaît très bien la forêt de Rendlesham. Il pense que ce qu'a vu le colonel Holt n'était pas un ovni. Cet homme connaît la forêt comme sa poche et il m'a fait comprendre qu'il n'a rien trouvé d'inhabituel dans la zone où l'ovni aurait atterri. Il est convaincu que c'était le phare.
À 10 km du lieu de l'observation, se trouve le phare d'Orford Ness. Les sceptiques affirment que c'est son rayon lumineux d'une puissance de 3000 watts que les soldats ont pris pour un ovni. On dirait un œil qui vous regarde, qui cligne. La lumière est si forte qu'elle vous brûle presque les yeux. Si on croit que ce n'est pas le phare qu'ils ont vu, on croit qu'ils ont vu un ovni dont la lumière flashait au même rythme que celle du phare. Pourtant, sur la cassette du colonel, on n'en entend pas parler du tout. Vincent a dit également que l'intervalle entre chaque flash du phare est de 5 secondes, ce qui semble coïncider avec les enregistrements que vous avez faits sur la cassette. Ce ne serait qu'une coïncidence ? Je vais vous montrer quelque chose. J'ai le dictaphone avec moi. Il est tout petit. Les cassettes durent 20 minutes. Et je n'aurais jamais pu enregistrer tout ce qui s'est passé. J'ai dû l'arrêter une centaine de fois. C'est très facile. Il y a juste à pousser ce bouton. J'ai fait ça tout le temps parce que je voulais avoir assez de bandes. Le voilà. Je le vois aussi. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas, monsieur. C'est une étrange petite lumière rouge. Elle est environ à 500 mètres, peut-être un peu plus loin. 6 semaines plus tard, Vincent Sorquetel inspecte les marques laissées au sol par le supposé ovni. On va dans les bois, je suis un peu nerveux, mon cœur bat vite. On arrive à un endroit où il y avait un cercle formé de bouts de bois par-dessus des fougères dans une clairière. Il y avait ces tas de terre marron comme ceux qu'il y a là. Il me dit, c'est là. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que c'était un lapin qui avait creusé. Vincent a aussi un argument pour les marques dans le sol. Il dit que ce sont des trous faits par des lapins. Un ou deux jours après l'incident, je suis sûr qu'un des membres de la police militaire est allé là-bas et a créé un ou deux faux sites. Ils ont mis des bouts de bois par terre tout autour. Pourquoi faire une chose pareille ? Pour créer une fausse piste, Penny. On va dans les bois, je suis un peu nerveux, mon cœur bat vite. On arrive à un endroit où il y avait un cercle formé de bouts de bois par-dessus des fougères dans une clairière. Il y avait ces tas de terre marron comme ceux qu'il y a là. Il me dit, c'est là. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que c'était un lapin qui avait creusé. Vincent a aussi un argument pour les marques dans le sol. Il dit que ce sont des trous faits par des lapins. Un ou deux jours après l'incident, je suis sûr qu'un des membres de la police militaire est allé là-bas et a créé un ou deux faux sites. Ils ont mis des bouts de bois par terre tout autour. Pourquoi faire une chose pareille ? Pour créer une fausse piste, peut-être. Peut-être que Vincent n'a pas vu le bon endroit. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a dit qu'il y était allé 6 semaines plus tard. Pourquoi la théorie de quelqu'un comme Vincent, qui n'était pas présent le jour même, inspire autant de confiance ? Ce n'est pas rare que les programmes noirs, comme je les appelle, utilisent la désinformation. C'est un outil très efficace et une très bonne manière de discréditer un récit. Plusieurs jours avant que le rapport sur Bentwaters ne parvienne à l'armée de l'air américaine, les services secrets britanniques débarquent et interrogent les gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Le gouvernement britannique devait savoir d'une façon ou d'une autre ce qui se passait et ce qu'il devait faire pour camoufler toute cette histoire. Au début, je me suis dit que c'était peut-être le phare, mais maintenant, je commence à croire que le colonel a vécu une expérience énorme. Des témoignages en désaccord émis par des témoins très fiables ont gardé le débat actif autour de la théorie du phare depuis plus de 27 ans. Mais les témoignages peuvent-ils résister à l'examen scientifique des preuves ? Je cherche à obtenir plus de détails sur sa position précise, celle de l'OVNI, où il a atterri, ainsi que la position et l'orientation de la ferme. L'explication acceptée par tous est que le phare a émis un rayon lumineux qui s'est reflété sur la ferme et a créé la mystérieuse lumière qu'ont vue les officiers. L'équipe décide de mettre cette théorie à l'épreuve. On va essayer d'avoir les meilleures coordonnées possibles. Je sais que c'était il y a 27 ans, mais on va faire de notre mieux. Jeff et moi, on va rester ici avec le GPS, et j'aimerais que vous retourniez là où vous étiez cette nuit-là. Puis, on ajustera nos positions en se basant sur les lignes qu'on aura depuis le site. En utilisant les coordonnées GPS des repères spatiaux, l'équipe va reconstituer un modèle en 3 dimensions de l'incident. Ils étaient par ici ? Un peu plus à droite. Ted, décalez-vous un peu. Avancez encore. C'est bon. C'est bon. C'est le mieux que je puisse faire. Marquez un point de cheminement.
Ted note les coordonnées GPS de l'endroit où le colonel a vu atterrir l'OVNI. C'est bon! Le colonel Holt indique la direction du phare. Là, il y a un creux dans la ligne de cime des arbres. John Tyndall, créateur d'expérience, a construit un modèle de la forêt de Rendlesham pour comprendre ce qu'ont pu voir les militaires. Était-ce un ovni ou un simple rayon de lumière ? Rappelez-vous, on est allé dans la forêt de Rendlesham et on a pris des photos et les coordonnées GPS. Voici la vue depuis l'endroit où se tenait le colonel Holt cette nuit-là. Avec tous ces éléments, on a pu recréer à échelle réduite tout ce qui s'est passé. On essaie d'infirmer ou de confirmer deux hypothèses. Numéro 1, est-ce qu'un phare à 10 km de distance peut avoir un effet sur la façade de la ferme? Numéro 2, est-ce qu'un ovni peut avoir un effet sur la façade du même bâtiment? Le colonel a dit qu'il avait vu des reflets qui venaient des fenêtres. Donc, dans la maquette, on a mis des miroirs de dentiste pour qu'on puisse avoir des reflets. Personne n'a jamais déterminé géométriquement les angles de vue précis entre le phare, la ferme, la clairière et la forêt. Où était l'angle de vue du colonel ? Juste là. Il se tenait là. On a mis en place cette ligne de vision pour avoir l'angle exact vers le phare ou les fenêtres de la maison. Je le vois. Jeff, apporte la baguette magique OVNI. On va pouvoir faire les approximations. Jeff a mis la lumière là où le colonel a dit qu'il avait vu atterrir l'OVNI. Je vois le reflet dans la fenêtre depuis ce point de vue. Par contre, la lumière du phare est complètement séparée. Elle ne se reflète pas dans la fenêtre. Le phare ne se reflète pas du tout depuis cette ligne de vision. On voit la lumière directement, mais pas sans reflet. Je ne comprends même pas ce que vient faire le phare là-dedans. Bien vu. Le phare est presque au-dessus de l'horizon. Et ça me paraît bizarre que des soldats expérimentés s'affolent à cause d'un phare à des kilomètres de là. Ce n'est pas continu, mais il y a quelque chose, c'est sûr. Un genre de phénomène. On est sorti de la forêt juste ici. Et on lui a encore couru après sur une centaine de mètres. Il est sorti au milieu du champ. Dans ce champ se trouvait une ferme, du bétail, et à ce moment précis, un objet lumineux qui se déplaçait. On entend du bruit qui vient des granges de la ferme. Les animaux sont très agités et font beaucoup de bruit. Il arrive par le sud. Il vient vers nous. Nous, on regardait de ce côté. Là, il y a la ferme. L'objet était... D'accord, émis par des témoins très fiables, ont gardé le débat actif autour de la théorie du phare depuis plus de 27 ans. Mais les témoignages peuvent-ils résister à l'examen scientifique des preuves ? Je cherche à obtenir plus de détails sur sa position précise, celle de l'OVNI, où il a atterri, ainsi que la position et l'orientation de la ferme. L'explication acceptée par tous est que le phare a émis un rayon lumineux qui s'est reflété sur la ferme et a créé la mystérieuse lumière qu'ont vue les officiers. L'équipe décide de mettre cette théorie à l'épreuve. On va essayer d'avoir les meilleures coordonnées possibles. Je sais que c'était il y a 27 ans, mais on va faire de notre mieux. Jeff et moi, on va rester ici avec le GPS, et j'aimerais que vous retourniez là où vous étiez cette nuit-là. Puis, on ajustera nos positions en se basant sur les lignes qu'on aura depuis le site. En utilisant les coordonnées GPS des repères spatiaux, l'équipe va reconstituer un modèle en trois dimensions de l'incident. Ils étaient par ici ? Un peu plus à droite. Ted, décalez-vous un peu. Avancez encore. C'est bon. C'est bon, c'est le mieux que je puisse faire. Marque un point de cheminement. Ted note les coordonnées GPS de l'endroit où le colonel a vu atterrir l'OVNI. C'est bon. Le colonel Holt indique la direction du phare. Là, il y a un creux dans la ligne de cime des arbres. Il y avait environ 30 degrés entre l'endroit où j'ai vu l'objet et la position du phare. C'est ce dont je me souviens. Si Jeff représente la source de lumière, c'est bon comme ça ? Ouais. Marque un point de cheminement !
Ted, reviens par ici. On va brancher le GPS sur la caméra et on va filmer depuis ce point de cheminement. L'objet, qui a été vu par plus de 80 membres de l'armée de l'air et par le commandant adjoint de la base, était-il un simple rayon de lumière, un ovni ou quelque chose d'autre ? Est-il possible que ce soit le rayon du phare que les hommes ont vu dans la forêt ? La science nous donnera peut-être la réponse. Mais un nouveau témoin expert, jamais interrogé auparavant, se manifeste. Le phare... John Tyndall, créateur d'expérience, a construit un modèle de la forêt de Rendlesham pour comprendre ce qu'ont pu voir les militaires. Était-ce un ovni ou un simple rayon de lumière ? Rappelez-vous, on est allé dans la forêt de Rendlesham et on a pris des photos et les coordonnées GPS. Voici la vue depuis l'endroit où se tenait le colonel Holt cette nuit-là. Avec tous ces éléments, on a pu recréer à échelle réduite tout ce qui s'est passé. On essaie d'infirmer ou de confirmer deux hypothèses. Numéro 1, est-ce qu'un phare à 10 km de distance peut avoir un... formait un triangle équilatéral. La nuit suivante, 5 soldats menés par le colonel Charles Holt se rendent sur les lieux. Ils découvrent ce qu'ils pensent être des preuves irréfutables d'une activité anormale. L'appareil avait laissé des preuves physiques. Et ils sont témoins d'un événement alarmant. Il est revenu. Le 26 décembre 1980, minuit. 80 membres de l'armée de l'air affirment avoir vu un objet lumineux inconnu atterrir dans la forêt de Rendlesham, en Angleterre. Non seulement cet ovni a été vu par des militaires entraînés, qui sont des témoins fiables, mais il a laissé des preuves physiques. Il a laissé des traces au sol, là où il a atterri. La nuit suivante, une équipe d'officiers balaye la zone avec un compteur Geiger et détecte des traces anormales de radioactivité. Que disent les chiffres ? Il y a quelque chose ? 7 dixièmes, juste ici. 7 dixièmes au centre ? C'est ça. En termes de preuves, le plus important, c'est qu'ils ont relevé des taux très élevés. Ils étaient très élevés dans les trois trous qu'a fait l'appareil en se posant. Le ministère de la Défense a publié 38 pages de documents sur l'observation de Rendlesham. La plupart sont des correspondances avec les habitants de la zone, curieux de savoir ce qu'il s'était passé. Mais un des mémos de communication entre les départements contient une phrase inquiétante. Notre personnel de la défense et du renseignement a reconnu que les niveaux de radiation étaient, je cite, bien au-dessus de la normale. C'est on ne peut plus officiel. C'est écrit noir sur blanc dans un rapport du ministère de la Défense, écrit par leurs scientifiques et leurs spécialistes du renseignement. Contrairement à d'autres histoires d'OVNI, celle-ci peut être confirmée par l'analyse de documents fiables qui mentionnent exactement ce dont nous parlons. Nick Pope nous a parlé de documents dont nous ne connaissions même pas l'existence, ce qui rend la théorie encore plus valide à mes yeux. Ça fait vraiment passer l'enquête à un autre niveau. Des experts pensent que certaines bases militaires ont une longue histoire secrète de rencontres avec des ovnis. Il y a des centaines de cas de rencontres entre des appareils militaires et des ovnis. L'équipe tente de trouver une explication à ces dérangeantes observations. Je cherche dans les archives et j'ai découvert qu'il y a un fort lien entre les militaires et les observations d'OVNI. En juillet 1945, on a testé notre... Qu'un phare à 10 km de distance peut avoir un effet sur la façade de la ferme. Numéro 2, est-ce qu'un OVNI peut avoir un effet sur la façade du même bâtiment? Le colonel a dit qu'il avait vu des reflets qui venaient des fenêtres. Donc, dans la maquette, on a mis des miroirs de dentiste pour qu'on puisse avoir des reflets. Personne n'a jamais déterminé géométriquement les angles de vue précis entre le phare, la ferme, la clairière et la forêt.
Où était l'angle de vue du colonel? Juste là. Il se tenait là. On a mis en place cette ligne de vision pour avoir l'angle exact vers le phare ou les fenêtres de la maison. Je le vois. Jeff, apporte la baguette magique OVNI. On va pouvoir faire les approximations. Jeff a mis la lumière là où le colonel a dit qu'il avait vu atterrir l'OVNI. Je vois le reflet dans la fenêtre depuis ce point de vue. Par contre, la lumière du phare est complètement séparée. Elle ne se reflète pas dans la fenêtre. Le phare ne se reflète pas du tout depuis cette ligne de vision. On voit la lumière directement, mais pas sans reflet. Je ne comprends même pas ce que vient faire le phare là-dedans. Bien vu. Le phare est presque au-dessus de l'horizon. Et ça me paraît bizarre que des soldats expérimentés s'affolent à cause d'un phare à des kilomètres de là. Ce n'est pas continu, mais il y a quelque chose, c'est sûr. Un genre de phénomène. On est sorti de la forêt juste ici. Et on lui a encore couru après sur une centaine de mètres. Il est sorti au milieu du champ. Dans ce champ se trouvait une ferme, du bétail. Et à ce moment précis, un objet lumineux qui se déplaçait. On entend du bruit qui vient des granges de la ferme. Les animaux sont très agités et font beaucoup de bruit. Il arrive par le sud. Il vient vers nous. Nous, on regardait de ce côté. Là, il y a la ferme. L'objet était là-bas, dans le champ. Le phare est par là, à environ 30 degrés. J'aperçois ce qui a l'air d'être un rayon lumineux dirigé vers le sol. C'était pas possible. Quand vous êtes arrivé dans le champ, il était déjà parti? L'objet a explosé sans bruit en 5 autres lumières blanches, et elles ont disparu. Ça n'aurait pas pu être une fusée de détresse? Les fusées de détresse ne se déplacent pas dans la forêt en évitant les arbres de bas en haut. À un moment, il est venu vers nous, et quand on s'est approché, il est parti vers le champ. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? C'était un objet de forme ovale, rouge-orangé et lumineux, comme le soleil en plein.